Eh, avouez, c'est beau. Avouez, c'est pas mal. L'écran de chargement est plutôt pas mal. Normalement, on m'entend bien par rapport à la musique et tout ça. Normalement, là, vous voyez, là, l'écran, il est beau. Et ça, est-ce que c'est pas trop beau aussi? Salut! Il y a des grésillements. Ah non. Ah non, commencez pas. Commencez pas. Normalement, non. Parce que là, là, j'ai passé je sais pas combien de temps, là. Eh. Normalement, il y a tout qui marche. Normalement, il y a tout qui marche. Il n'y a pas, de grésillement de quoi que ce soit et tout et tout. J'espère. Du coup... Bonjour. Bienvenue sur ce stream Twitch. Bienvenue... sur ma chaîne Twitch, que certains ne connaissent pas, et c'est normal, parce que ça fait un long moment, quand même. Et c'est bien incorporé, tout me gusta. Du coup, merci à Niox TV, merci à Frog, merci à ceux qui s'abonnent. Qui s'abonnent avec Twitch Prime, aussi. Et merci à ceux qui se sont pas désabonnés et qui a cru en moi. En vrai... Ça fait un moment que je fais un live Twitch genre une fois par mois et je disais aux gens non mais vous recevez pas, ça ne sert à rien, enfin franchement je veux pas que vous mettiez votre argent dans le vide. Mais là, normalement, c'est bon. Comment ça on m'entend en double? Est-ce qu'on m'entend en double? Ah non, normalement non. Normalement c'est good. On va dire que oui, hein. On va dire que oui. Donc bon, si vraiment il y a des gros problèmes, de toute façon, j'essaierai de régler. Mais j'ai passé toute la journée à essayer de régler les problèmes, là. Oh my god. Il va y avoir beaucoup d'alertes. Il va y avoir beaucoup d'alertes, mais... Enfin, il y a déjà beaucoup d'alertes. My goodness. Alors. Alors. Écoutez, j'ai déjà essayé de faire pas mal de choses, je peux pas faire tout en même temps. Alors, première chose à dire... Oh my god, 46 mois, il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans. Première chose à dire pour les gens, les anciens, qui me suivent depuis 8 milliards d'années. Les changements... Attendez, je vais baisser le son parce qu'effectivement, si je baisse le son, normalement ça devrait aller. Les changements du stream ont fait que... Undefined, très bien. Non mais c'est pas grave, je vais voir les problèmes en même temps, hein, parce qu'il va forcément y avoir des problèmes et du coup je vais pouvoir les régler en même temps ou après, on va voir. Mais donc, le changement des alertes et le changement de tout a fait que tout ce qu'il y avait avant a été supprimé. C'est-à-dire que ceux qui me suivent depuis 8 milliards d'années, vous savez qu'il y avait des alertes de paliers et les paliers ont été tous supprimés. Parce que j'ai changé les alertes. C'est pas grave. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Du coup, il y a des nouvelles alertes pour l'instant. Voilà, donc il y a un système de dons, il y a un système de plus gros dons du live. Mais il n'y a plus de système de palier de machin parce qu'il y avait trop de trucs avant. Et c'était compliqué à gérer. De toute façon, je vais tout vous résumer. Ce live-là, je pense que je vais passer la plupart, voire quasiment tout le live, juste à parler, vous parler des changements, vous parler des choses qui vont arriver, de tout. Voilà. Clairement, on a le temps. Je suis là jusqu'en théorie 19h. Donc ça va être vraiment en mode, je vais pouvoir vous décrire ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc déjà, on va dire merci en même temps, parce que quand même... Alors attends, parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Du coup... Il y a eu, donc Frog, je t'ai dit merci beaucoup, merci à Arius aussi d'avoir gift un sub, merci à Loulou pour le don, merci beaucoup, il y a plein de gens qui sont contents de me revoir, ça fait plaisir, vous êtes beaucoup, et bah c'est trop cool, parce que je suis méga motivée, je suis un peu malade, mais j'ai envie de dire quand est-ce que je suis pas malade, je vous décrirai, je vais vous dire, de toute façon je vais pas vous décrire ma maladie, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, Marc est là depuis 46 mois, incroyable, 46 mois, ça fait quasiment... Oh my god, ça fait quasiment 4 ans. Oh là là. Ce son-là est fort.
Ce son-là est fort. Mais c'est le son du meilleur don de la journée. Donc normalement, vous l'entendrez pas souvent. En théorie. Ensuite, il y a Elliot qui a give 10 subs. Histoire de bien commencer la journée. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, merci à Luna pour le sub. Merci beaucoup à Dharma d'être là depuis un an. Il y a des gens qui sont là depuis un an. Il y a des gens qui ont cru en moi. My goodness, je sais pas comment vous avez fait parce que même moi je croyais pas en moi. Merci beaucoup à Elfira, merci beaucoup à Firetex d'être là depuis 43 mois, Illidan qui est là depuis 38 mois, il y a des gens qui ont cru en moi, Raxer qui est là depuis 45 mois, bien sûr, Firetex du coup qui tente les paliers, mais bon, voilà, il n'y a plus de paliers. La plupart des gens, vous savez pas de quoi je parle quand je dis palier, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon il y a plein de choses qui vont changer, il va y avoir plein de nouveaux trucs. Le renouveau c'est positif, voyez-vous. Pour moi en tout cas c'est positif. Pour les autres, il y a des gens qui aiment pas les choses nouvelles, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'avais besoin d'un renouveau sur Twitch parce qu'en fait, pour vous décrire, j'ai commencé Internet en étant sur Twitch, en faisant des lives. Je faisais des lives avant de faire des vidéos. Il y a eu une période où je faisais plein de lives, il y a eu une période où je faisais genre, mais vraiment littéralement, des lives tous les jours pendant des années. Et quand je me suis mis à YouTube, quand YouTube a commencé à pas mal marcher et tout, et que j'ai commencé à faire plein de vidéos, je me suis rendu compte très vite que j'arrivais pas à faire les deux. Du coup j'ai laissé Twitch de côté, et ça m'a toujours perturbée parce que pour moi Twitch c'est vraiment ma petite maison, c'est là où je suis depuis donc quasiment 4 ans, vous avez pu le voir avec des gens qui sont seuls depuis quasiment 4 ans, donc clairement c'était un endroit où j'ai toujours voulu revenir parce que pour moi je suis quelqu'un qui fait des lives avant d'être quelqu'un qui fait des vidéos, même si depuis que vous me connaissez à mon avis je fais pas beaucoup de lives, mais ça va changer à partir de maintenant. Du coup merci beaucoup à Aurélianix, merci beaucoup à Ildates qui est là depuis 27 mois. Merci beaucoup à Yuki Gigi qui teste le truc des cheers. Ça marche aussi, c'est violet et tout. Est-ce que j'ai bien fait mes choses? J'ai dit que vous n'allez pas l'entendre souvent. Non, mais voilà. Ah, par contre, là, c'est coupé. Ah, ce n'est pas fait pour des grands messages. Normalement, ah non, je ne vais pas l'augmenter. Ah non, je ne veux pas cacher les trucs. J'ai peut-être cassé mes trucs. Non, normalement, non. Et quoi, merci beaucoup à toi pour le sub, merci beaucoup à Audi, merci beaucoup à Kat, du coup. Et oui, voilà, les paliers sont partis, mais écoutez, il faut du renouveau, et donc il va y avoir du renouveau sur cette chaîne Twitch. Donc ouais, je liveais très très souvent, fut un temps, et c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de reprendre, et comme maintenant vous me dites tous, il faut faire ce que tu veux dans la vie et tout, et il faut arrêter d'être contrôlé par les autres et tout, et de faire ce que les gens veulent, mais ce que toi tu veux. Et ben ce que moi je voulais, c'était vraiment refaire des lives, pas à plein temps, mais presque en fait. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, donc en dessous du live normalement, donc il y a le petit truc de timing, il y a une espèce de schedule, un truc comme ça, qui vous montre donc les jours où, en théorie, je vais live. Donc en théorie, quand je vous dis que je vais live souvent, c'est que je vais live en théorie 5 fois par semaine. Là vous vous dites, what, mais comment ça se fait, 5 fois par semaine, what the fuck, alors qu'avant elle n'arrivait même pas à faire un stream par mois. Oui, mais c'est parce que j'ai un peu trouvé pourquoi j'arrivais pas, enfin déjà c'était compliqué avant pour moi de stream et tout et tout, mais pour reprendre les lives, en fait, j'arrivais pas à avoir une vie saine et normale en livant genre 8 heures par jour, le soir jusque 3 heures du matin et tout, là c'est plus trop possible. J'arrive plus à avoir un rythme comme ça, j'ai vieilli et du coup bah maintenant me coucher à 4h du matin j'arrive plus. Donc je vais changer mes horaires, enfin même pas changer parce que j'avais pas d'horaire depuis 3 ans, mais donc j'ai établi un espèce de timing, ce qui veut dire que je vais stream en début de soirée. Normalement je vais pouvoir stream tous les jours, enfin tous les jours, presque, de 17 à 20h. Ça va être le planning. De 17 à 20h, je vais essayer d'être là quasiment à chaque fois. Il y aura des jours off, des jours pas off et tout. Mais voilà, j'arriverai jamais à stream le soir. Peut-être de temps en temps quand je suis pas fatiguée ou ce genre de choses. Mais donc mon planning, ce sera la fin d'après-midi. Je sais que c'est un peu chiant pour certains parce que vous êtes encore au boulot ou vous êtes encore en cours et vous sortez vers ces horaires-là et du coup vous arrivez qu'un petit peu après. Mais voilà, sinon enfin j'aurais pu faire 18-20 heures, mais 17-20 heures ça me paraît être un créneau pas mal.
que j'ai jamais testé parce que je streamais toujours le soir. Et voilà, au pire, il y aura des rediffusions. De toute façon, il y aura forcément des rediffusions. Merci beaucoup, chaton. Merci à toi pour les cheers. Merci beaucoup à Atsuko d'être là depuis 37 mois. Je crois qu'on m'entend pas quand même ça. J'ai dit que vous entendrez pas souvent celui-là, mais pour l'instant, on a entendu plus celui-là qu'autre chose. Mais je ferai les réglages. Je ferai les réglages. Et de toute façon, c'était nécessaire parce que sinon, j'arrivais jamais à parler. Il y avait trop d'alertes et j'arrivais pas à parler. C'est dur la vie. Vous voyez le chien-chien ? Hé, quand tu te mets là, en vrai, quand tu te mets là, on le voit. Mettre là ? Non, tu veux pas ? Du coup, merci à ma sœur qui est là depuis 18 mois. Merci beaucoup à Epikio qui est là depuis 28 mois. Et Egebai, merci beaucoup à toi pour les 15 euros. C'est très gentil. Merci beaucoup. Nous sommes 1000. Très bien. Ok. Alors attends. Donc il y a des gens qui sont là qui veulent des annonces. En vrai, c'est pas des annonces de dingue ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment. C'est le vrai retour que je fais sur Twitch. Parce qu'à chaque fois que je faisais un live sur Twitch, c'était toujours en mode je fais un live, j'aimerais trop en refaire, mais j'en referai le mois prochain. Ou promis, je reviens et. Ouais, je reviens pas. Mais là. Là, je reviens. Je reviens vraiment. RIP. Merci, Ildates. Mais non, il n'y a pas de RIP. Il n'y a aucun RIP. Il n'y a que du renouveau. Il n'y a que du renouveau. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les rediffusions, c'est ça que j'allais dire aussi. Parce que comme c'est un planning comme 17-20 heures, c'est un peu compliqué pour certains et tout. Enfin, de toute façon... Personne n'est là aux mêmes heures, c'est toujours compliqué, hein. De toute façon, à chaque fois que je lançais un live, il y avait toujours des gens pour dire « Oui, mais moi, je suis pas là à cette heure-là, oui, mais moi, est-ce que tu peux faire plus tôt, plus tard, machin et tout ?» C'est pas possible. C'est pas possible de streamer 24-24. Il y a des moments où il faut dormir, quand même, dans la vie, et juste essayer d'avoir une vie sociale, un minimum. Du coup, il y aura des rediffusions. Je vais remettre en service ma chaîne secondaire, qui de base était une chaîne de rediffusion, qui a permuté, qui a... Comment on dit ? Qui a... Elle a changé de concept, et en soi, j'aurais pas dû, parce que du coup, je me suis rajouté trop de trucs. Il y a un certain stade, vers le début de l'année, en mars, avril, mai, j'ai essayé de gérer 3 chaînes en même temps. Et je me suis très vite rendu compte que c'était impossible. Je voulais faire ma chaîne principale avec des vidéos tous les jours, ma chaîne secondaire avec des vidéos tous les jours, et faire des animations super poussées qui me prenaient un mois par animation, je voulais en faire une par semaine. Donc très vite, je me suis dit, attends, t'es toute seule, t'as personne pour t'aider, qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de te rendre malade, tu fais trop de trucs, je faisais trop de trucs, même si on dirait pas, hein. Les gens, ils pensent que... qu'on peut juste, on peut sortir plein de choses tout le temps. Moi non, moi je me suis rendu compte très vite que j'arrivais pas à gérer 3 chaînes. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que donc la chaîne secondaire va repasser en type chaîne de rediffusion. Donc quasiment tout, voire même tout ce qu'on va faire ici, ce sera rediffusé sur la chaîne secondaire, donc Fire Crystal, qui est en théorie toujours en lien en dessous. Il y a des choses qui vont changer... Les trucs en dessous vont changer, les graphismes vont changer. Je vais aussi, à mon avis, changer les émotes. Non, peut-être pas les émotes, parce que les émotes, on les a depuis un petit moment. Mais par exemple, les icônes évolutives de sub et tout. Il va y avoir plein de refonds graphiques de partout, parce que le renouveau, c'est bien. Et puis voilà, le phénix renaît de ses cendres, exactement. Merci beaucoup à toi, Nara. Merci aussi à... Attends, Nara, non, c'est ça, mais pourquoi ça m'a pas affiché le même pseudo ? C'est parce qu'il y a une file d'attente, très bien. C'est parce qu'il y avait une file d'attente, Nara, il est là, d'accord, merci beaucoup. Mais du coup, c'est ça. Du coup, c'est ce que je voulais faire, je voulais vraiment... je voulais repartir un petit peu aux bases, que j'ai toujours aimé. Et voilà, le renouveau, c'est trop bien, exactement. Exactement. Du coup, ça servait à rien que j'essaye de faire trop de trucs en même temps, parce qu'au final, ce que je voulais vraiment faire, en fait, c'était reprendre les lives régulièrement, et j'arrivais pas parce que j'essayais de faire trop de trucs. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que vous avez pu le remarquer depuis que j'ai repris un petit peu ma chaîne YouTube, c'est pas en mode comme avant, en mode « Ouais, vidéo tous les jours et tout !» Non. Je vais pas y arriver. Je sais très bien que j'y arriverai pas parce que du coup, je faisais que ça. Je faisais vraiment littéralement que ça, que des vidéos tout le temps. Genre du matin au soir, vraiment, j'essayais de me focus sur les 3 chaînes et tout. Et au final, j'avais pas le temps de live, j'avais pas le temps de dormir, j'avais pas le temps d'avoir une vie à côté. Donc, là, ce qui va se passer... Merci beaucoup, Chloé de Givre, pour le sub. Ce qui va se passer,
c'est que je vais faire moins de vidéos sur la chaîne principale. C'est-à-dire une ou deux vidéos par semaine, qui seront du coup mieux, parce que j'aurai plus de temps pour les faire, mais je peux plus avoir le stress de faire une vidéo par jour un petit peu partout, c'est pas possible. C'est pas possible, déjà que gérer une chaîne c'est compliqué, alors trois c'est même pas la peine. Donc la chaîne principale va y toujours y avoir des vidéos, mais il y en aura voilà une ou deux par semaine, qui seront normalement un petit peu plus poussées. Normalement, alors là je m'engage pas non plus parce que je sais que je fais pas du travail extraordinaire non plus, je suis un peu toute seule. Pourquoi tout le monde est vert? J'ai mis le truc du chat à côté, mais tout le monde est vert. Il y a un peu de violet dans le lot, mais très bien. Pourquoi pas. Du coup, merci beaucoup, Jadem. Merci beaucoup pour les 17 mois entiers d'eux. Merci beaucoup, c'est très gentil. Du coup, voilà. Comme il y aura moins de vidéos sur la chaîne YouTube, je pourrais prendre plus de temps pour faire des lives. Du coup, et faire des lives sur plein de trucs. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ces lives? Il va y avoir donc, comme vous avez pas arrêté de me le dire pendant ces années de faire ce que je veux, il va y avoir ce que je veux. Voilà, très bien. Du coup, c'est-à-dire à quoi je joue le plus? Les trucs auxquels je joue le plus, par exemple, il va y avoir du World of Warcraft. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi ça m'intéresse. Du World of Warcraft, du League of Legends, va y avoir des petits jeux un petit peu de temps en temps, un petit peu en mode tranquille qu'on va tester. Genre là, par exemple, j'ai Luigi's Mansion, que j'ai toujours pas ouvert. Il est là, le nouveau Luigi's Mansion, que je vais, à mon avis, on va pouvoir le commencer demain. Je voulais le commencer aujourd'hui, mais c'est un peu galère, dans le sens où j'ai qu'un seul écran. Il faut que je prenne un deuxième écran, et en fait, avec un seul écran, gérer la Switch et tout, machin, en fait, je verrai plus les messages, je verrai plus rien. Ce sera un peu chiant. Du coup, voilà, il y aura des petits jeux de temps en temps que je sélectionnerai et tout. Inutile de faire des suggestions, c'est vraiment... Je vais voir, à mon avis on va pouvoir faire un petit peu Luigi's Mansion, je pense que le jeu dure 8 heures, donc comme je suis pas très très douée, il durera 12 heures, donc on pourra en faire quelques lives. Dans 10 jours il y a Pokémon qui sort, Pokémon ça va être très bien, pareil, on va en faire sur Twitch, ça va être super, on va pouvoir chasser des shiny et tout, ça va être incroyable. Et du coup voilà, les jeux un petit peu que je ferai régulièrement, ce sera je pense surtout du World of Warcraft, parce que c'est le jeu auquel je joue tout le temps. Et voilà, c'est très bien. Merci beaucoup Luna. Merci beaucoup à toi pour le don. Non, il n'y a pas de pas grand chose, il n'y a pas du tout de pas grand chose. Tout est super gentil, les gens qui croient en moi et qui se réabonnent, c'est trop la vie, c'est trop bien. Du coup, merci beaucoup. Mais du coup voilà, ce sera pas du tout dans la même ambiance que j'ai toujours eu sur YouTube, parce que la dernière année en fait que sur YouTube j'ai vraiment, je suis devenue tellement stressée par les gens et ce que les gens me disaient, particulièrement les gens un petit peu jeunes qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent et qu'il y a un humain derrière, la pression que j'avais me forçait entre guillemets à faire ce que tout le monde voulait tout le temps, et au final ce sera plus jamais comme ça. Normalement ce sera plus jamais comme ça, donc ce sera vraiment, s'il y a un jeu que j'aime bien je le ferai, et si jamais c'est des choses qui ne plaisent pas aux gens, et bah tant pis. Hélas, maintenant c'est moi qui décide, ce n'est plus les gens qui décident, même si au final j'ai toujours dit que c'était jamais les gens qui décidaient, au final pendant un an c'était clairement les gens qui décidaient, hein, parce que voilà. Du coup, merci beaucoup à Mandoul, merci beaucoup à Lunila aussi pour les subs, merci. Du coup, voilà, ce sera vraiment plus axé sur moi et ce que moi je veux faire. Et de toute façon, en fait, ça va se réguler tout seul. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'établir un espèce de planning, au final, je ne streamais pas. Et du coup, bah forcément, on n'arrivait pas à se caler dans une routine. Mais le but, là, c'est d'avoir une routine. Merci beaucoup à toi, Linzeris. Merci beaucoup pour le Prime. Du coup, au bout d'un moment, en fait, au bout de quelques semaines, à force de stream un petit peu tous les jours, normalement, la routine sera réétablie. On va voir déjà... Si au bout de quelques semaines, où est-ce qu'on en sera, où est-ce que cette chaîne en sera, parce que voilà, je ne donne pas beaucoup d'espoir sur moi-même, mais je sais en tout cas que je vais à partir de maintenant du coup privilégier Twitch, parce que c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. Je voulais toujours privilégier les lives, et maintenant voilà, c'est ce que je fais. Je l'ai pas refait direct parce que j'étais encore pas mal en déplacement, là j'étais encore à Paris tout le week-end et tout, mais là. Je ne bouge pas pendant au moins 10 jours, parce qu'après je vais à une convention, après je vais à la Art to Play à Nantes,
du coup. Mais voilà, enfin, de toute façon, il y aura des absences aussi. Bon, ça, c'est normal, bien évidemment. Pourquoi ça m'affiche pas? Shadowlight, merci beaucoup à toi pour le 8e mois. Merci beaucoup. Ça ne s'est pas affiché dans mon truc, je ne sais pas pourquoi. Du coup, voilà, c'est ce qui va se passer. Et je suis très contente, en vrai, de me dire que je vais enfin reprendre tranquillement. C'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête, parce que vous vous dites, ben, en fait, t'aurais pu faire ça n'importe quand. Mais non, vraiment, c'était très compliqué pour moi. Merci Kat, merci pour les 22 mois. On est reparti pour quelques mois. Mais oui, c'est gentil. En vrai, voilà. Avant, quand je refaisais des live Twitch, j'étais là, non mais vous recevez pas. Ça sert à rien, je veux pas que vous donniez trop d'espoir alors que je sais pas si je reviens, mais là c'est bon. Là c'est bon. On est reparti pour jusqu'à l'infini, j'espère. Et ça veut pas dire que j'abandonne YouTube ou quoi pour autant. Ça veut juste dire que je vais juste mieux optimiser mon temps. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup à toi. J'ai pas noté ce que j'avais à dire, mais au final c'est pas grave, on va improviser. Mais du coup, ça va être très sympa. En vrai, ça va être très sympa. J'ai prévu pas mal de petites choses et tout. Et puis, on va faire pas mal de lives avec des gens. Normalement, il y a même un live avec Sora et Dooms qui va pop la semaine prochaine. On va faire des jeux marrants et tout. Ça va être très intéressant. Merci beaucoup, Eris. Merci beaucoup. Que comptes-tu faire pour les vidéos du style comment traiter l'eau du poisson, etc. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas trop, dans le sens où, comme je vais me focus plus sur les streams, en fait avant, comme je streamais pas, je faisais plein de vidéos juste pour parler de plein de trucs et tout, mais maintenant c'est ce qui va se passer en stream. En fait, tous les jours je vais pouvoir parler à des gens et tout, on va pouvoir discuter, au début de chaque stream on pourra parler pendant genre 20 minutes, une demi-heure et tout, et donc j'aurai moins ce besoin de faire des vidéos sur plein de trucs pour pouvoir parler de plein de trucs, parce que je pourrais vous parler tout court. Voilà. J'adore ces alertes, je ne m'en lasse pas. Merci beaucoup Mr. Fates, ou M. Fates, je ne sais pas, pour le sub, et merci Amandou pour le don, merci beaucoup. Le live des 3M, de quoi le live des 3M? Merci beaucoup fan de Crystal aussi. Oui, le live 24h, alors le live 24h des 3M, on va voir comment ça va s'organiser et tout, on va voir, parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui vont arriver au mois de décembre aussi. Et il y a pas mal d'événements, pas mal de trucs, mais pour l'instant, c'est pas à moi de vous en parler, donc on verra pour l'instant. De toute façon, tout va reprendre un petit peu progressivement, parce que donc les 3M, ceux qui savent pas, c'est mes deux collègues de YouTube avec qui j'ai fait, je pense, le plus de vidéos. Ça a toujours été compliqué de... Enfin, à partir du moment où on est tous un petit peu montés, on a tous eu un petit peu notre vie à côté et tout, on a fait de moins en moins de live, de moins en moins de trucs. Ça veut pas dire qu'on s'entend plus, hein. Les gens ils sont persuadés qu'on s'est engueulé, mais pas du tout. C'est juste que c'est grave compliqué de gérer deux chaînes YouTube chacun, les lives, les machins, les trucs IRL à côté et tout. Maintenant, faut limite qu'on prenne rendez-vous. Non, c'est même pas faut limite, c'est qu'il faut qu'on prenne rendez-vous rien que pour se parler. Rien que pour genre jouer le soir, il faut qu'on prenne rendez-vous quelques semaines à l'avance. Donc c'est pour ça que ce sera jamais en mode il y aura des lives avec plein de gens tous les jours et tout, parce que les gens sont tous trop occupés. Il y aura pas mal de lives par contre, à mon avis, avec ma sœur, qui est moins occupée parce que du coup ce n'est pas ce qu'elle fait à plein temps. Mais je pense que je ferai pas mal de lives avec elle, comme j'habite à côté d'elle maintenant. Ce sera trop bien. Merci beaucoup Chansey pour le Prime. Merci beaucoup. 24 mois au total, incroyable. Incroyable. Et aussi Christy Malagouche, merci beaucoup. Incroyable. Il y a plein de gens. Du coup, voilà, c'est pas en mode, je vais pas vous décrire exactement ce qui va se passer, quel live il y aura quand et tout, parce que c'est vraiment en mode, ce sera des lives tranquilles, posés, comme à l'époque, dans le sens où c'est pas parce que, parce qu'en général, les gens, quand ils augmentent en termes d'abonnés et tout, sur YouTube, surtout, en
règle générale, sur YouTube, en fait, ils augmentent aussi la qualité. Ils se mettent à bosser avec des gens, ils se mettent à avoir des agents, des machins, des monteurs et tout et tout. Moi, j'ai toujours galéré avec ça. Moi, je suis toujours restée un petit peu toute seule dans mon coin. Donc, ça veut dire que je suis restée exactement au même stade que quand je faisais des lives il y a 3 ans. J'ai peut-être une meilleure qualité, oui, j'ai des plus beaux overlays, la caméra elle est plus jolie et tout. Mais en soi, je suis toujours un peu toute seule dans mon coin, juste à vouloir jouer à des jeux tranquilles. Donc, ce sera pas des lives en mode waouh, exceptionnel, des événements de ouf et tout, toutes les semaines. Non, j'ai jamais été vraiment... je ne suis pas apte à faire ça pour l'instant. Après, je dis pas ça pour le futur. Si ça se trouve, dans 2 ans, je serai devenue quelqu'un, une streameuse professionnelle. Mais pour l'instant, j'en suis très loin. Très, très loin. Du coup, voilà, ne vous attendez pas non plus à des trucs de malade. C'est juste qu'on va se retrouver quasiment tous les jours pour parler et pour jouer tranquillement, mais vraiment en mode chill, tranquille, comme n'importe quel streamer pourrait faire. Mais voilà, ne mettez pas la barre extrêmement haut en mode « Oh, c'est Frozen Crystal, elle a tant d'abonnés sur YouTube, donc ce qu'elle va faire, ça va être incroyable. » Non. Non, clairement pas. Merci beaucoup, Lalou, pour les 43 mois. Quasiment 4 ans, quand même. Oh, il se met pile au bon endroit. Attends, faut qu'il bouge, mais qu'il s'assoit un peu sur le côté. J'ai mis un truc mexicain, je sais pas pourquoi j'ai mis un truc mexicain. Par contre, le pseudo s'affiche pas sur ça, donc d'accord, je vais le noter. Merci Dharma. Dharma qui a gift combien de subs? C'est pas marqué non plus. Enfin, ça aussi, il faut que je le modifie. Qui a gift 10 subs. Incroyable. Merci beaucoup à toi, Dharma. C'est trop gentil. Bienvenue à tous les gens. Vous commencez à être beaucoup, du coup. Enfin, vous êtes déjà très beaucoup sur le live. Je crois que j'avais jamais atteint les 1000 viewers sur Twitch. Jamais. Du coup, merci! Vous êtes super gentils, merci beaucoup. Merci aussi à Adlaise pour les 34 mois, Makinax pour les 32 mois, et merci à Mandou pour le chi, merci beaucoup. Alors oui, j'ai la crève, hein. Si jamais, par contre, je suis bien malade, j'ai de l'eau de mer à mettre dans mon nez, là. J'ai de l'eau de mer et j'ai des médicaments, mais j'en ai pris qu'un pour l'instant parce que je déteste prendre des médicaments d'habitude. Je suis vraiment quelqu'un anti-médicaments d'habitude, genre je préfère mourir, enfin pas mourir, mais je préfère vraiment bien mourir dans mon lit pendant 2 jours et pas prendre de médicaments. Je sais pas, parce que je me dis que, bon, c'est... Bof, au pire ça passera avec médicaments ou non. Mais là j'ai fait un tournage avec 12 cet après-midi. J'avais une voix de femme de 40 ans. Le dernier tournage que j'avais fait avec elle le mois dernier, j'avais aussi une voix de femme de 40 ans parce que j'avais une extinction de voix. Enfin bref, je suis malade tout le temps, donc au bout d'un moment, il va falloir que je les prenne, les médicaments. Donc bon. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, que ça allait pas être des streams forcément professionnels, dans le sens où il y aura toujours cette ambiance, normalement ce sera toujours un petit peu beau, mais ce sera pas des événements extraordinaires. J'espère que j'en ferai à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment au programme que je fasse des trucs de fou, parce que je n'ai jamais été vraiment une streameuse ou une youtubeuse professionnelle, même si certaines personnes en sont persuadées, mais j'ai jamais vraiment fait des trucs pro au final. C'est peut-être ce que les gens ils aiment bien un peu de moi, je sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment je deviendrai un peu plus pro et les gens y partiront, j'en sais rien. Legendarix, merci beaucoup à toi pour le Prime, bienvenue. Du coup, Twitch Prime, chose exceptionnelle. Il y a pas mal de gens, à mon avis, qui sont là et qui connaissent pas Twitch. Du coup, vous allez bien vous habituer, à mon avis. Hein. Il n'y a pas de soucis. C'est une plateforme... c'est exactement pareil. C'est exactement pareil que YouTube, c'est juste que c'est des lives et c'est pas des vidéos. Yugure, merci beaucoup à toi pour les 1 an. Merci beaucoup. Merci à toi. Il va se passer quoi pour ta chaîne Fallen Crystal? Alors du coup, la troisième chaîne... Ouais, donc ça marche vraiment pas. D'accord, je note. Merci beaucoup, Christy, à la gauche, d'avoir gift 5 subs à la communauté. C'est beau, merci beaucoup. C'est trop bien, Twitch, parce que du coup, vous pouvez vous retrouver abonné avec tous les trucs, les émotes et tout, tous les trucs de la chaîne, sans rien faire, parce qu'il y a juste des gens ultra généreux. Du coup, ça, c'est incroyable. Cette plateforme est incroyable. Je vais pas arrêter de le dire. Qu'est-ce qui va se passer pour ma troisième chaîne? Parce que oui, j'ai créé une troisième chaîne YouTube, parce que déjà avec 2 chaînes, j'arrivais pas à les gérer, j'étais là, allez, vas-y, on va faire la troisième, ça va être marrant. En vrai, ça a jamais été une chaîne en mode il y aura du contenu toutes les semaines, même si j'ai dit qu'il y aura du contenu toutes les semaines, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible, parce que il y a une chose que j'adore faire, et que j'adore toujours faire, c'est des animations sur le...
ça s'appelle un jeu, mais pour moi c'est pas un jeu. Sur Gacha Life, du coup, c'est un jeu en soi où vous pouvez créer des persos et vous pouvez les bouger pour en faire des animations. Moi je pousse ça très très loin, parce que du coup je fais des trucs sur After Effects et tout, je fais vraiment des trucs assez poussés. Donc ça me prend énormément de temps. J'avais plein d'idées d'histoire et tout, j'avais même une idée, j'ai même écrit. Mais quand je vous dis écrit, c'est que j'ai quasiment un livre qui a été écrit. J'ai écrit toute une série et j'avais tout planifié et tout. J'avais commencé à faire le storyboard, j'avais commencé à dire à tous ceux qui devaient faire les voix, j'aimerais que tu fasses telle voix pour tel personnage et tout et tout. Mais je me suis très vite rendu compte que je n'avais pas le temps. Merci Kat pour le gift des 5 subs. Merci beaucoup. Parce qu'elle est pas incroyable cette musique mexicaine. Je sais pas du tout d'où elle vient, mais je me suis dit ça fait très sombrer là, mais go ça. Donc, troisième chaîne. J'arrivais pas à gérer ça. Vous irez voir si ça vous intéresse, c'est Fallen Crystal, du coup. J'ai beaucoup d'inspiration. J'ai jamais vraiment planifié de l'arrêter, mais il y aura du contenu pas du tout régulier, dans le sens où, par exemple, donc la dernière vidéo que j'ai sortie dessus, c'était une animation sur une musique, parce qu'en plus c'est que de musique copyright, donc c'est vraiment, je fais ça que parce que j'aime bien, parce que ça ne me rapporte rien du tout, parce que c'est que des trucs copyright. C'est vraiment quelque chose qui me prend du temps, dans le sens où la dernière vidéo que j'ai fait dessus, elle durait 1 minute 10, un truc comme ça. Et ça a dû me prendre 40-50 heures à faire pour genre 1 minute. Parce que l'animation, pour ceux qui connaissent un petit peu le délire, c'est long, c'est très long, c'est des trucs frame par frame. Parfois c'est... Enfin, c'est pas forcément frame par frame, c'est juste que j'ai un logiciel pour faire donc des rigs, c'est-à-dire des personnages, genre le petit personnage, je fais son propre squelette et tout, et après je peux le bouger comme je veux, et après machin... Enfin, c'est long, c'est très long, et je pensais vraiment que j'aurais pu... En fait, même en passant toute ma vie, littéralement, si j'avais pas d'autre chaîne YouTube, je faisais pas de live, rien du tout, que je faisais que ça, je consacrais que ma vie à ça, je pourrais sortir une vidéo par semaine dessus. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que je peux pas que faire ça non plus. Merci Elchi, merci beaucoup à toi. Ravi de savoir que tu vas faire ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Rukatif aussi qui est là depuis 14 ans. Merci. Merci beaucoup. Faut mettre un autre sub goal. Ah oui. Ah oui. Oh, vous êtes trop cool. Bon, pour l'instant, en fait, Ah, mais attends, je peux pas éditer sur cette chaîne, celle-là. Mais je pensais pas que ça allait être. Mais c'est pas grave, j'en mettrai un autre à l'autre stream. Pour l'instant, en plus, je mets un sub goal, mais ça sert à rien dans le sens. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça ne sert pas à rien. S'abonner, ça soutient un streamer, ça sert pas à rien. Et puis ça vous fait des avantages à vous aussi, genre le sub sur Discord et tout, les épaules, les machins et tout. Mais en général, les gens y mettent. Enfin, en général. Oui, en général. Les gens y mettent un palier, dans le sens où, voilà, si on atteint 200 subs, on fait ça. Ça peut pas être des trucs extraordinaires à chaque fois. Quand j'ai commencé Twitch, c'était des trucs extraordinaires. Je me souviens quand j'ai atteint les 100 subs, j'ai dit si un jour j'atteins 100 subs, j'adopte un chien. Et Wilson est né. Il est là, mais vous le voyez pas. C'est bon. Du coup, voilà, après, à mon avis, quand j'aurai bien repris et tout, quand j'aurai des idées en tête, quand on dépassera des paliers, on fera des choses incroyables et tout. Mais voilà, mais c'est déjà très gentil de vous abonner, même sans ça. Parce que c'est super chouette, pour le coup, ça va être trop bien. Meilleure répartie, hein, franchement, meilleure... Ouais, ça va être trop bien, abonnez-vous, ouais. Du coup, je parlais d'animation. Donc oui, l'animation, c'est quelque chose qui est très, très... compliqué et long à faire. C'est-à-dire que ce que je fais, moi, c'est basique. C'est vraiment au stade de... j'ai pas fait d'études là-dedans. Ironiquement, si, j'en ai fait, mais bon, ça ne m'a absolument pas servi. Du coup, c'est vraiment des trucs basiques, et comme j'ai pas vraiment les connaissances et tout, et normalement, pour... Par exemple, pour un... je vais pas dire Disney, parce que Disney, ils sont des centaines, des milliers, mais pour un dessin animé, pour un épisode de dessin animé de 20 minutes, ils sont des dizaines, ils sont une équipe. Tu fais pas ça tout seul. Et moi, je fais ça toute seule. Donc peut-être qu'un jour, je rencontrerai des animateurs et tout, et je pourrais faire une espèce de team et tout. Mais on en est loin. Moi, collaborer avec des gens, ça va se faire doucement. Ça va se faire doucement, ça fait je sais pas combien d'années que je suis toute seule de mon côté. Là, j'aimerais bien... faire plein de trucs avec plein de gens et tout, mais doucement, clairement doucement. Pour l'instant, je ne connais personne, je suis toute seule de mon côté, donc on va se détendre. Mais donc tout ça pour dire que pour cette chaîne là, cette troisième chaîne YouTube, elle n'est pas arrêtée, mais voilà, c'est pas pour tout de suite que ça va reprendre à 18 000%.
Mais pourquoi pas mettre un truc de temps en temps dessus. Il n'y a pas besoin de se désabonner de celle-là non plus. Voilà, je mets rien en pause. C'est bon, je l'ai fait ma pause, je suis partie 3 mois. Et c'est bon, là c'est bon, je reprends à 8000%, ça va être trop bien, j'ai plein de temps libre et tout, j'ai tout setup, normalement tout rend bien et tout, j'ai même un fond et tout. Bon, normalement ces lumières là elles s'allument, mais j'ai pas encore setup, elles sont capricieuses. Normalement j'arriverai même, normalement, hein, ce que j'aimerais bien faire c'est qu'elles soient réactives avec les abonnés et les trucs de Twitch, mais ça prend 1000 ans et moi la technologie, chaque chose en son temps. Déjà le stream marche, y a pas de grand problème. C'est déjà pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pourrais baisser très légèrement la musique de fond, et surtout que ça a changé de playlist. Attends, le truc c'est que si je baisse... Attends. Genre j'étais vraiment à 1%. Non, j'étais à 2%, là j'ai mis à 1. Là normalement vous entendez... Ouais, normalement vous entendez presque plus. Du coup, de nouveaux vêtements sur Teespring. Pourquoi pas ? C'est prévu, mais c'est méga chiant. En fait, je veux faire des trucs trop compliqués. Et genre, c'est prévu, je voulais faire un truc il y a quelques mois et tout, et ils ont vraiment du mal. Enfin, c'est pas qu'ils ont vraiment du mal, c'est que je demande quelque chose de trop compliqué et je peux les comprendre. Je voulais faire plein de designs en moitié-moitié, parce que vous avez remarqué, hein, j'ai des problèmes quand il s'agit d'avoir l'air normal. Du coup, je voulais faire plein de designs de t-shirts, de machin et tout en moitié-moitié. Et on s'est rendu compte que c'est très compliqué en fait, c'est toujours un peu décalé, c'est toujours un peu chiant. Du coup, je travaille dessus, mais pas forcément pour tout de suite non plus. Là, mon but, c'était pas vraiment de revenir en disant « Hey, achetez des choses !» Non. Non, ce n'est pas mon objectif. Mon but, c'était de revenir en disant « Hey, je suis là !» Après, peut-être acheter des choses, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Merci beaucoup, Hippy, qui offre un abonnement à Bilichou. Merci beaucoup et bienvenue. Du coup, voilà. Il va y avoir... En fait, j'arrête rien. Il y a un seul truc que pour l'instant qui est encore en pause jusqu'au 1er novembre, c'est mon Patreon. La plupart d'entre vous, vous connaissez sûrement pas non plus, mais c'est normal. C'est un site en fait qui est utilisé pas mal par les Américains, où si jamais vous prenez un abonnement dessus, comme sur Twitch ou comme sur YouTube, je vous envoie une carte postale tous les mois. Voilà, du coup c'était ce que je faisais pendant un petit moment. Évidemment j'ai eu pas mal de problèmes, vous avez pu comprendre et enregistrer cette donnée comme quoi j'avais eu des problèmes. Donc j'ai mis les choses en pause pendant un mois ou deux mois parce que j'avais tellement de choses à faire que je ne pouvais pas me permettre de passer 1000 ans à écrire des lettres et faire des machins et tout, parce que j'avais pas le temps, et c'est un truc vraiment pour tous les mois et tout et tout. Donc ça va revenir à partir du 1er novembre. 1er décembre, oh là là, j'arrive pas à savoir qu'on est en novembre. 1er décembre, c'est vrai qu'on est le 5 novembre, c'est, oh là là, dans un mois et demi, on est en 2020. Donc oui, 1er décembre, my bad. Skulltune, merci beaucoup à toi pour le sub, bienvenue. Du coup, oui, 1er décembre, il y aura ça qui reviendra. J'aurai largement plus le temps de vous en parler avec le temps. Mais sinon, voilà, il n'y a plus rien qui est en pause ou quoi que ce soit. C'est bon, je suis vraiment revenue de partout. C'est juste que les choses vont se faire doucement, on va dire. Oui, j'avoue, c'est 1er décembre. Bye bye. Donc, ça c'est pour les trucs qui reviennent. En vrai j'avais peur de passer 1000 ans à tout vouloir expliquer, parce que j'ai toujours du mal à expliquer les choses, parce que je veux toujours expliquer 800 000 trucs en même temps. Mais non, en vrai, je m'en sors bien. Du coup, c'est à peu près la situation dans laquelle on est. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal, parce que j'ai toujours aimé l'interactivité que je peux avoir sur Twitch. Je peux parler aux gens directement, je peux répondre à des gens directement sans avoir à faire une vidéo carrément FAQ, parce qu'à chaque fois que tu veux juste parler normalement à des gens sur YouTube, bah faut en faire une vidéo dédiée. Du coup voilà, tu recevras du gaming. Alors je sais pas comment tu peux recevoir du gaming, je pense que tu voulais dire est-ce que je referais du gaming. Oui, c'est le but, sur Twitch on fait du gaming. Je referais justement donc du gaming sur Twitch. Quasiment uniquement sur Twitch, je jouerai quasiment tous les jours, parce que bon, là on parle. De temps en temps, il y aura aussi des lives où je ferai juste du blabla et je ferai des trucs de Patreon et tout, à mon avis. Mais la plupart du temps, on jouera sur Twitch. Par contre, il est possible que...
il est possible que sur la chaîne principale, je suis pas encore sûre en fait, mais je pense que il y aura quasiment plus, voire plus de gaming sur la chaîne principale, parce que en fait, comme je fais qu'une vidéo par semaine et que c'est des vidéos qui, enfin, une ou deux, et que j'ai plein de concepts dans la tête, j'ai plein de trucs et tout. Le gaming, c'est plus quelque chose que je veux faire tranquille, posé sur Twitch et en rediffusion. Pas en mode vidéo ultra montée et tout, parce que... Vous savez, maintenant, YouTube, c'est... Il y a des exigences, même si je sais que j'ai dit oui, mais je n'écoute plus personne et tout, je fais ce que je veux, uniquement moi, moi. Il y a quand même des exigences. Sur YouTube, c'est quand même... Tu peux pas faire n'importe quoi, dans le sens où, oui, tu peux faire n'importe quoi, mais les gens, ils vont te dire... C'est de la merde. Du coup... Il y a un standard sur YouTube, pour moi, il y a vraiment une ligne standard de choses à respecter et à faire qu'il n'y a pas sur Twitch. Sur Twitch, pour moi, je peux faire n'importe quoi, je peux jouer à n'importe... Je peux ne pas parler pendant 5 minutes parce que je suis trop à fond dans mon jeu, c'est pas grave. Sur YouTube, si je sors une vidéo de moi pas éditée, qui joue à un jeu, qui parle pas beaucoup, qui suis un petit peu fatiguée et tout, tout le monde va me dire... What the fuck? C'est quoi ton problème? T'as l'air fatigué, qu'est-ce qui se passe et tout? C'est pas dynamique et tout. YouTube, ça, il faut que ce soit dynamique. Pas dans le sens où c'est un impératif, mais moi je vous dis que c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses et c'est comme ça pour moi que ma chaîne sera toujours, parce que c'est normal, c'est un format beaucoup plus dynamique. C'est une vidéo de 10-20 minutes, faut que ce soit... Enfin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très dur d'expliquer ça sans être en mode il y a des limites de partout, mais c'est les limites que je me suis mise à moi-même. Sur YouTube, quand tu mets qu'une vidéo par semaine, faut que ce soit une vidéo bien, faut que ce soit un truc de ouf, faut pas que ce soit juste toi qui joues à un jeu pendant un quart d'heure, en mode ouais, bah yes, non. Donc voilà, ce sera pas l'objectif, les vidéos de la chaîne principale, ce seront des vidéos un petit peu plus travaillées. Et le gaming, pour moi, j'ai toujours voulu que ce soit quelque chose de plus chill, en fait. Voilà. Du coup, il n'y aura pas d'Animal Crossing. Si. Attends, Animal Crossing qui sort en mars. Il n'y a plus de musique ou c'est vraiment moi qui n'entends rien? Ouais, c'est moi qui n'entends rien. Vous entendez, mais moi, j'entends rien. C'est pas grave, faudrait que je fasse les réglages de son. Animal Crossing, jeu que j'attends énormément. J'adore Animal Crossing, ça va être génial. J'en ferai tous les jours sur Twitch. Et en rediff sur la chaîne secondaire. Mais normalement... Je sais pas comment, les choses changent tellement. Franchement, enfin, tu m'aurais dit en mars, tu reviendrais sur Twitch à fond en novembre et tout changerait. Je t'aurais dit, MDR. Du coup, ce sera, je sais pas vraiment comment ce sera en mars, mais à mon avis, si ça continue dans cette optique-là, je ferai Animal Crossing tous les jours sur YouTube, sur Twitch. J'arrive déjà plus. Oh là là, sur Twitch. Ah my goodness. Et ce sera donc en rediffusion sur la chaîne secondaire, c'est-à-dire que ce sera quand même sur YouTube, sur la chaîne secondaire Firecrystal. Faut que je mette des petits trucs qui pop dès que je dis Firecrystal, hop, Firecrystal ça pop. Mais ce sera pas sur la chaîne principale parce que Animal Crossing pour moi c'est quand même un jeu chill et posé, dans le sens où t'as ton petit village, tu fais tes petits trucs et tout, c'est pas « Waouh, trop bien, il va se passer des trucs incroyables, des explosions à droite, à gauche et tout !» C'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que je me mets un palier moi-même trop, c'est que c'est le palier de base de YouTube. C'est comme ça maintenant. Avant, on pouvait s'en sortir en faisant plein de vidéos, des let's play et tout, en mode posé, tranquille. Maintenant, sur YouTube, les gens ne cherchent pas ça, ils ne recherchent plus ça. C'est vraiment... Ça a changé. Je fais partie de la génération d'avant, la génération qui ont connu... si vous n'avez pas connu, par exemple, sur YouTube, si le fait que je vous dise 301 vues, ça vous dit rien. Si vous n'avez pas connu le fameux blocage à 301 vues, c'est que vous êtes de la génération d'après moi. Voilà, c'est pas grave, et c'est pas grave, hein, peu importe de la génération dans laquelle on est, hein, on s'en fout, c'est pas grave. Mais maintenant, il y a une génération d'après. Il y a clairement la génération de YouTube de maintenant. Moi, je fais partie de la génération d'avant. Je suis un peu plus vieille, et moi, j'ai connu les standards d'avant, en mode, tu fais des let's play, tranquille... Tu peux faire un épisode par jour, peut y avoir pas de caméra et c'est pas monté et tout. Clairement, c'était le standard. Tout le monde faisait ça. Il y en a qui connaissent, c'est bien. Tout le monde faisait ça avant, mais maintenant, la génération d'après, maintenant cette génération de YouTube, c'est vraiment des gens qui font les choses mieux. Pas dans le sens où c'était pas bien avant, c'est juste que maintenant, il y a plus de gens qui font du montage et c'est des vidéos plus condensées, plus comme maintenant en fait, je sais pas comment expliquer autrement que ça, mais
Mais du coup, c'est moins l'optique que j'ai. Moi, j'ai pas les vidéos un petit peu en mode à 300 à l'heure où il se passe toujours 350 trucs en même temps. J'ai toujours eu du mal. C'est pas trop ma façon de faire. Du coup, du moins pour le gaming, hein, pour le gaming. Parce que pour le reste, genre là, j'ai fait une vidéo un peu stylée où je faisais mon nouveau logo et tout et tout. J'étais pas non plus en mode il y a des explosions partout. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un tournage qui au final m'a pris 10 jours. Parce que du coup, il fallait que j'attende entre les trucs et tout, et il fallait que je fasse du montage, machin, machin. Mais c'était plus représentatif parce que c'était pas du gaming. Le gaming, pour moi, ça restera toujours quelque chose de chill. Je jouerai devant mon PC, je parlerai à des gens, sauf que maintenant, tu peux plus faire ça sur YouTube. Sur YouTube, juste tu joues à un jeu et tu chill et tu parles, les gens, ils vont te dire, ouais, mais il manque un truc. Et sur Twitch, c'est pas le cas. Pour moi, en tout cas, pour mes standards. Merci beaucoup, SN, pour le sub. Bienvenue. Du coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup parlent de Dead by Daylight. Oui, sûrement, j'en sais rien. Je sais pas, là, j'ai pas une liste de tel jeu, je le referai. Celui-là, je le referai pas. Celui-là, je le referai. Celui-là, je veux pas. J'ai pas vraiment de liste en particulier. Dead by Daylight, c'est un jeu très sympathique, j'en referai sûrement qu'il y aura des mises à jour, peut-être avec Colin Sekosu et tout, ça pourrait être sympathique, mais c'est pas ancré sur un papier, genre le mercredi 13 novembre et tout, je ferai machin. Non, pour l'instant, c'est pas encore comme ça. Mais du coup, c'est possible, oui, c'est grave possible. Mais j'en referai, pour moi, j'arrive pas à me dire que je vais juste faire une vidéo sur ma chaîne principale sur Dead by Daylight, en mode, je fais juste une game et je chill. C'est pas dans les standards de ce que les gens attendent d'une vidéo YouTube, je pense. Louis, incroyable, il se réabonne. Skip, ça reprend les lives. Oui, je t'ai remis Modo, ça te dérange pas? Je t'ai remis toi et Bastien, enfin je vais remettre tous les anciens. Je remets tous les anciens parce que du coup j'ai besoin de Modo. C'est... voilà. Et les Modo, ils vont avoir un... Normalement maintenant ils peuvent mettre des pubs d'eux-mêmes et tout, ils peuvent changer le jeu parce que je le change jamais, machin... Incroyable. Merci beaucoup, Perry. Merci. Bien bonjour. Je suis vraiment contente de te voir avec plein de motivation. Oui, je suis méga motivée. Ah hier, j'étais ultra motivée, je suis rentrée de Paris. J'ai traîné avec pas mal de streamers et tout, du coup j'étais là, oh, c'est trop bien, j'ai trop envie de reprendre les lives et tout, c'était génial, je suis super motivée et tout. Bon, je suis arrivée, il était un peu tard, je suis arrivée ici, il était 16h et tout, je voulais refaire un live le soir, je voulais vraiment reprendre le soir. J'ai ouvert Streamlabs là pour streamer, j'ai vu que c'était le bordel pas possible, j'ai fait, ah, je vais devoir quand même refaire un petit peu, je vais faire une petite refonte graphique. J'ai fait la petite refonte graphique, j'ai fini, il était 23h, je fais, ouais, bon bah non. Mais c'est pas grave, j'étais super motivée et tout, j'étais là, m'en fiche, demain ça va être incroyable et tout, et je me suis réveillée, j'avais 42 de fièvre. Yes! Du coup, c'est pour ça que j'ai pris les médicaments. Mais du coup, en vrai, ça marche bien. Hein. Elle m'a dit, ce truc-là, c'est littéralement, c'est de l'eau de mer. Genre, ils vendent de l'eau de mer pour 4 balles. Mais bon, il y a le spray avec. Elle m'a dit, ça à chaque fois. Tu mets ça dès que t'as le nez qui coule. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai le nez qui coule tout le temps. Mais du coup, bref, donc oui, j'avais 42 fièvres, donc j'étais un tout petit peu moins motivée, mais c'est pas grave. Un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que quand vous avez des projets, quand vous voulez faire quelque chose, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours la vie qui se mettra en travers de votre chemin. Tu seras toujours motivée et la vie, elle te fera « Attends, tu te souviens là, machin, tu vas tomber dans les escaliers, tu vas tomber malade, tu vas machin. » Si t'attends d'être bien pour pouvoir commencer des choses, bah tu le fais jamais. Donc... c'est pas grave, c'est pour ça que je fais des lives, je vais faire des... Là c'est un live un petit peu... C'est pas un live un petit peu plus court d'ailleurs, mais oui, c'est un autre truc que je voulais dire. Quand je livais avant, je faisais des lives assez longs. Il y a eu une période où j'ai switch mes lives sur YouTube et du coup je faisais des lives de 50 minutes, c'était pas mal, mais c'était peut-être trop court. Mais avant sur Twitch, je faisais des lives de 6-7 heures. Et du coup, quand je voulais reprendre les lives sur Twitch, je me suis toujours dit, mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de faire 7 heures de live, dans le sens où je pourrais faire ça, mais je ferais rien d'autre. Et là, le chien, il faut qu'il sorte de temps en temps. Moi, il faut que je dorme, il faut faire à manger et tout. Enfin, je vais pas vous apprendre comment on vit, mais bref, là, je peux plus faire des lives de 7 heures. Et je me disais, mais non, je vais pas revenir sur Twitch pour faire des lives de 2 heures. Mais au pire, on s'en fout. C'est ce que je me suis dit, mais au pire, c'est pas grave. Et pareil, je voulais streamer le soir, j'étais là, mais attends, je vais pas revenir sur Twitch pour stream l'après-midi, les gens vont râler, ils ne sont pas là. Et bah, tant pis. Et ben tant pis, je stream du coup en fin d'après-midi, et en général je ferai des streams de 2-3 heures, voilà. Pour moi c'est un bon temps, parce que comme je parle beaucoup, et j'aime bien parler au début des lives, comme ça on a le temps de jouer un petit peu,
Et c'est pas non plus trop, dans le sens où je coupe à 20h et je peux encore faire, enfin manger, faire ma vie après. Donc pour moi, ça me paraît un bon compromis. Et d'ailleurs, en faisant ça, là je m'avance trop, là je pars dans les extrêmes, mais en faisant ça, ça voudrait dire que je pourrais me coucher encore à des heures normales. Donc il y aura, j'aimerais bien de temps en temps... Oh, il y a le noix. Merci beaucoup pour les 45 mois. J'ai pas fait la différence entre les paliers, mais il y a des tiers 2, il y a des tiers 3, et je vous vois et je vous aime. Vous êtes incroyable. Mais il n'y a pas encore la différence, j'ai tout fait assez vite. Du coup, c'est... j'ai pas pu tout faire, voilà. Du coup, oui, je vais pouvoir. J'aimerais bien faire une fois par semaine ou de temps en temps des lives le matin. Ça pourrait être trop bien. Je sais que ça se fait de plus en plus. Il y a des gens qui font des matinales, ça s'appelle. Enfin, disons, le nom n'est pas copyright ou quoi que ce soit, mais du coup, faire des lives le matin, assez tôt. Vous allez me dire, mais Marie, faire des lives à 8h, elle est tarée. Eh ben non, parce que depuis que, du coup, j'ai passé plus d'un mois à vivre chez ma sœur, ma chère sœur qui a un travail, enfin j'ai un travail aussi, mais qui a un travail qui requiert qu'elle se lève tôt et qu'elle aille au travail, donc je me suis levée pendant un mois à 7h du matin. J'étais ravie au début, c'était absolument pas mon rythme de vie, et au bout d'un mois, enfin au bout de 2 semaines à souffrir et mourir, au bout d'un mois je me suis dit, mais en fait c'est génial de se lever à 7h du matin. Parce que forcément, quand vous n'avez pas d'obligation, vous avez tendance à vous dire « Ah, 9h, c'est pas mal. Ah, 10h, ah, 13h, c'est pas mal. » Enfin, au final, tu te lèves à 13h, tu commences à te réveiller, tu fais tes trucs, et dès que tu commences à être productif, il est 15h. Là, non, je me réveille, je suis productive à 8h. Incroyable. Et j'adore ce feeling-là, d'être productif le matin. Je vous apprends rien, parce que tous ceux qui regardent, à mon avis, vous vous levez à 7h et vous êtes là « Non mais meuf, c'est un peu la base, en fait. Qu'est-ce que tu me dis ?» Toi, t'as l'occasion de te lever à 10h et tu le fais pas, t'es taré. Je l'ai fait pendant un moment, vraiment, mais en fait, le truc, c'est que se lever à 10h, ça va encore, mais quand vous vous levez à 10h, vous vous levez à midi, vous vous levez à 13h, vous vous levez à 16h, et il y a eu un moment où je me suis levée pendant quelques mois, j'avais un rythme où je me levais à 16h. My God! C'est terrible, parce que tu vis la nuit, là, il est 17h, il fait nuit, c'est déprimant. Salut Vitel! Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci Firetex, il dit « Go les lave le matin, mon chômage est d'accord avec ça. » Mais voilà, en vrai, ça pourrait être sympa de... On se fait une tasse de thé et tout, on discute le matin, on fait des trucs le matin. Ça me stresse que le nom ne s'affiche pas. Mais je vous le dis, je vous le dis bien à chaque fois qu'il give des subs, parce que c'est incroyable. C'est incroyable, en plus l'alerte elle est blanche et tout. Incroyable. Le Noël, merci beaucoup. Bon, au final, il s'appelle Le Noël. Il s'est toujours appelé Le Noël, mais j'ai fourché la première fois que je l'ai appelé Le Noël. On a beaucoup rigolé. Et depuis, je n'arrive plus à l'appeler autrement. Merci beaucoup pour le gift des 10 subs. Bienvenue aux 10 nouvelles personnes. Incroyable. Bienvenue sur cette chaîne. Et vous allez voir, c'est bien. J'ai déjà les émotes. C'est bon. En vrai, normalement, les subs, ils ont plein de choses en plus. Moi, pour l'instant, c'est les choses basiques de Twitch, dans le sens où vous avez un joli icône, des jolies émotes. Et le truc sur Discord. Mais c'est déjà pas mal. Les émotes, il y en a certains, à mon avis, qui vont être peut-être changés. Par exemple, la chaise. Hélas, la chaise n'est plus. Ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai acheté une chaise en 2013. Oh là là. Oh, my goodness. Cette chaise, la chaise que j'avais, la chaise bleue, c'était la chaise que j'avais vraiment, que j'ai eue depuis le début de toute ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch. Et c'est devenu la chaise. Merci Elchi, s'est fait réveiller par Marie. Je vote oui. Trop bien. C'est prévu. Et du coup, cette chaise-là, quand je vous dis qu'elle a vécu, mais c'est qu'elle a vécu, elle a fait 5-6 déménagements. C'est méga chiant à déménager ce genre de chaise d'ailleurs. Et je me suis assise sur cette chaise 15 heures par jour, tous les jours, pendant 6 ans. Donc comment vous dire que... Et même au bout d'un moment, il y a même un clip qui s'est passé, c'est incroyable. Je sais plus ce que je faisais, je parlais normalement exactement comme là, et j'aime beaucoup m'appuyer sur les accoudoirs. C'est là pour ça, hein, d'un côté. Et je me suis appuyée sur l'accoudoir, et le pauvre accoudoir qui avait 5 ans, qui n'en pouvait plus, bah, il s'est éclaté, il est tombé par terre. Donc j'avais plus d'accoudoir, j'avais plus qu'un seul accoudoir qui commençait, genre, là les accoudoirs ne bougent pas. Bah, c'était un raz-de-marée à chaque fois que je voulais bouger les accoudoirs. Donc, quand j'ai redéménagé, en sachant qu'en plus le déménagement c'était compliqué. Le Noël, je suis désolée, tu n'étais pas là au début, tu n'as pas vu. En changeant la palette graphique du live,
Les paliers se sont supprimés. Ne m'en voulez pas, les anciens. Ne m'en voulez pas. Il y en aura d'autres. On va en faire d'autres. On va en faire des plus d'actualité. En soi, c'est beau. Je sais que du coup, il manque les petites alertes qu'il y avait avant. Je meurs en même temps. Je sais. J'en suis désolée. Mais du coup, c'est pas de ma faute. C'était en faisant la palette graphique, j'ai délette, sans m'en rendre compte. Ah, je suis désolée. Du coup, oui, en plus, le déménagement que j'ai fait le mois dernier, ça a été une galère, pas possible. J'ai pas pu prendre beaucoup de choses, je suis en train de faire plein d'allers-retours, c'est compliqué. Donc la chaise ne rentrait pas. J'avais un petit, je sais pas si vous connaissez, je connais pas non plus d'ailleurs, c'est un partenaire, c'est un petit camion blanc. Et je me suis dit, oh, c'est un camion. On me dit camion, ça passe. Non. Un petit camion blanc, c'était pas du tout pareil qu'un camion. Du coup, ce n'est pas rentré. Je m'en doutais. Merci beaucoup. C'est très gentil quand même de comprendre. Merci beaucoup. Mais du coup, il y a quand même le système de don normal et le don le plus haut du live et tout, mais je ferai des différences. Voilà. Merci les San pour les 35 mois. Bisous. Comment vas-tu? C'est quels AirPods que tu as? C'est les normaux. Les normaux, les tout premiers qui sont sortis. 300€ pour des écouteurs. On va se détendre tout de même. C'est ok, il y a du réduction de bruit, mais j'ai déjà un casque qui fait ça. Mais non, là quand même, c'est un petit peu beaucoup. Lucario, merci beaucoup à toi pour les 9 mois. Merci beaucoup. Donc la chaise n'est pas rentrée. La chaise n'est pas rentrée et de base je me disais non, il faut absolument que j'aille récupérer cette chaise, c'est la chaise. Et donc pendant les premières semaines où j'étais à cet appartement, je me suis donc assise sur une chaise basique, une chaise de cuisine, une chaise en bois, mais vraiment les chaises basiques. Et je me suis rendu compte que la chaise en bois était plus confortable que ma chaise. Tellement elle avait souffert pendant 6 ans, elle en pouvait plus, il n'y avait plus rien, je m'asseyais sur le métal. Du coup je me suis dit, ah, en fait non, non mais c'est pas mal en fait une nouvelle chaise. Et puis je me suis toujours dit que à chaque été je meurs, je me plains tous les jours, tout le temps, enfin vous savez j'aime beaucoup me plaindre, mais surtout l'été je me plaignais, j'étais là mais le cuir, mais je fusionne avec la chaise, tissu. Oui! Merci beaucoup Liam Diamonds pour les 310. Merci beaucoup! Alors, ceux qui connaissent pas Twitch, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ça? Alors, oui, il y a les dons. Donc, les dons sont rouges. Et il y a les cheers. Les cheers sont violets. Qu'est-ce que c'est les cheers? C'est les dons via Twitch. C'est d'autres types de dons. Et du coup, avec ces dons-là, vous pouvez avoir un petit icône aussi. Enfin, il y a beaucoup d'icônes. Je vous expliquerai au fil du temps. Même moi, je suis perdue. Maintenant, il y a beaucoup trop de choses. Mais voilà, il y a les cheers qui sont violets. Et il y a les dons qui sont rouges. Incroyable. Du coup, oui, voilà. La nouvelle chaise. Donc, peut-être que je changerai cet émo de chaise pour mettre une chaise grise. Je ne sais pas. En plus, c'est plus neutre. Ça va. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais vraiment en mode bleu et noir. Frozen Crystal. Bleu partout. Ouais, là, c'est plus très bleu, hein. Mais bon, du coup, j'ai pris les choses de neutre. Donc voilà, il y a 2-3 émotes, à mon avis, qui vont changer. De toute façon, les émotes se débloquent avec le nombre de subs qu'on a. Donc peut-être qu'un jour, on en aura plus, et peut-être qu'un jour, je pourrais mettre d'autres émotes. Ça pourrait être sympathique. Du coup, ça, c'est pour la chaise. J'ai quand même parlé de la chaise pendant 10 minutes. C'est pas de ma faute. Ça fait déjà une heure que j'ai lancé le live, je savais que j'allais parler pendant 1000 ans. Je le savais. Du coup, ouais, c'est pour ça. À mon avis, ce live-là, ce sera plus en mode on discute tranquille. Et à partir de demain, donc demain, 17h, je vérifie quand même, mais normalement, j'ai rien. J'ai rien les soirs à 17h. J'ai rien. Non, là, j'ai rien. Toute la semaine, j'ai rien. J'ai rien du tout. Le seul truc que j'ai prévu, c'est le live, du coup, qu'on va faire mardi. Ça va être incroyable. Et après, je ne fais rien jusque Art to Play, du coup, bientôt. Air Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le 22e mois. Merci beaucoup. Re-bienvenue à toi. Ça fait super plaisir. Du coup, oui, Art to Play, convention. Je vais faire des conventions. Il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de très... Comment dire ? Comment décrire comment je suis ? Ah.
faut que je change cette ligne. Je suis désolée. Mais je vais lire quand même. Erun, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel magnifique logo. Quel plaisir de te revoir. Merci pour tout ce que tu nous apportes, pour la force et le courage, l'humour et le contenu. Merci beaucoup. Alors force, courage, pas... Justement. J'ai jamais été quelqu'un de forte ni de courageuse. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été quelqu'un... J'ai 850 phobies. Je suis insortable. J'ai peur de tout. J'ai peur des gens. J'ai peur qu'il y ait une bombe qui explose là, maintenant, tout de suite. J'ai peur des ballons, des explosions et tout. Enfin, je suis quelqu'un de tellement angoissé. Ça se voit, hein. Les gens angoissés, ils parlent vite, je parle très vite. Je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé dans la vie. Du coup, ça fait que je suis toujours restée dans mon petit cocon, ma zone de confort. Là, par exemple, vous êtes 1000. Si j'étais devant vous, bah, je me mettrais à pleurer et je partirais, je pense. Donc, clairement, j'ai toujours été vraiment très, très angoissée de faire quoi que ce soit. Et par exemple, les choses comme les conventions, pour moi, c'était hors de question parce que j'avais trop peur. Et c'était pas possible pour moi d'y aller de toute façon. Mais là, je me dis que il est temps de sortir de la zone de ma zone de confort. De toute façon, on se sent vivant. On se sent pas vivant quand on est dans son lit en train de scroll sur Instagram. On se sent vivant quand on fait des choses incroyables. Le fait de voyager, c'est incroyable, par exemple. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, Marie, maintenant, tu vas faire des conventions. Alors, je vais pas les faire toutes, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des conventions tous les week-ends. Le but, c'est pas non plus de mourir. J'ai quand même un système immunitaire très bas. Très très bas, dans le sens où dès que je sors, genre là typiquement je suis allée à Paris un week-end, je suis malade. Donc je vais pas faire non plus des conventions tous les week-ends. Je sais que... voilà, hein, je le sais. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire « Ah, tu vas machin !» Peut-être. Avant c'était non, c'était même pas la peine. J'allais à la Japan Expo et la Japan Expo je devais prendre limite des calmants avant d'y aller tellement j'étais angoissée. Mais là, j'en ai marre d'angoisser, donc je vais faire des conventions. Et là, j'ai mis même le palier un petit peu haut, parce que donc Art2Play, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Ah, ça va être super, viens Art2Play, tu vas faire des dédicaces, tu vas faire une conférence et tu vas faire une avant-première. » J'ai fait « Ah, une quoi ? Une conférence et une avant-première en conférence. » C'est-à-dire que, donc, Art2Play, donc, c'est une convention qui se passe à Nantes le week-end prochain. Incroyable, en plus, Nantes, je suis jamais allée là-bas. Donc, moi je me suis dit « Ah, ça va être trop bien, c'est pas grave, je sors de ma zone de confort, incroyable !» Et après, quand je me suis posée, que j'ai réfléchi, je me suis dit « Ah merde !» Donc, je vais être toute seule sur une scène, devant le nombre de gens qui voudront venir me regarder, et je sais même pas ce que je vais faire, je pense que je vais faire exactement comme là, sauf que là, vous serez physiquement présents, et je vais faire du coup une avant-première, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo, alors... Normalement. Je vais faire une vidéo et je la sortirai pas sur ma chaîne YouTube et elle sera en avant-première, c'est-à-dire qu'elle sortira genre peut-être 10 minutes avant à Art2Play et après elle sortira sur la chaîne YouTube. En sachant que du coup, genre je vais vous la présenter, genre, donc il y aura la vidéo derrière moi sur un truc derrière moi et moi je serai là en mode paillesse. Que vous aimez la vidéo. Donc voilà, c'est super, enfin c'est pas stressant, c'est juste c'est déstabilisant pour moi, mais ça va être trop bien. Je vais peut-être bégayer et parler un petit peu comme ça quand je vais arriver sur la scène, mais c'est pas grave parce que ça va être des choses nouvelles. Il est temps de sortir de ma zone de confort parce qu'en fait si je continue de vivre toute ma vie en ayant peur de tout, bah je vais arriver à mes 85 ans, je vais être là, c'est con quand même, j'ai pas beaucoup profité de ma vie. Enfin, c'est génial, je profite de tout. Le fait d'être streameuse, d'être youtubeuse, d'avoir des gens qui m'écoutent parler, c'est déjà incroyable. Mais, il y a plein de choses à faire dans la vie. Et je les fais pas parce que j'ai peur. Et c'est bête. C'est quand même bête. J'ai quand même beaucoup d'occasions de faire des choses chouettes et j'ai toujours dit non. Donc cette fois-ci, je ne dis plus non. C'est fini. Merci beaucoup, Lilo Blue, pour les 45 mois. Merci beaucoup. Bientôt 2 ans. Non, bientôt 4 ans. Je sais pas pourquoi je dis 2 ans à chaque fois. Non, ça fait 4 ans. Bah yes. Merci beaucoup Black White aussi pour le 9e mois. Merci. Ouais, je suis sûre, en vrai, je suis sûre que ça va être bien. Je pense que je vais me chier dessus pendant 2 jours et quand je serai sur la chaîne... Sur la scène. Ni la chaîne. Non, c'est fini ça, Marie. Sur la scène, là, ça va être marrant. Je sens que ça va être marrant. Puis tant que vous me balancez pas des trucs à la gueule, je pense que ça ira. Je pense que ce sera pas compliqué. Mais voilà, j'ai toujours dit non à ces choses-là, et il y a pas mal de choses... Alors c'est pas non plus en mode je vais dire oui à tout, je vais commencer à faire des trucs incroyables, je vais pas dormir dans un glacier ou un igloo ou quoi que ce soit, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit ça comme référence, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas non plus
changer du tout au tout et devenir genre. Je sais pas, enfin bref, je resterai moi-même. Je resterai quand même moi-même, mais je resterai moi qui maintenant dit oui aux choses. Donc par exemple, voilà, donc les conventions, parce que ça paraît bête, hein, les gens, il y en a qui se disent probablement, mais enfin, on s'en fout, enfin, pourquoi tu fais pas des conventions? Parce que j'ai peur des gens. Genre, quand je vous dis que j'ai peur des gens, c'est que j'ai même peur des gens qui me suivent. Genre, quand je fais des conventions et que je rencontre les abonnés, à chaque abonné, chaque personne qui arrive, je me dis, cette personne peut potentiellement m'étrangler et me tuer. Chaque personne, sans exception. Donc vous imaginez le taux de stress. Je me dis, à tout moment, le mec, il sort un couteau, il me plante. Bon, normalement, non, parce que la sécurité des conventions est quand même assez développée. Mais pas tant que ça. À Japan Expo, la dernière que j'ai fait, ils m'ont dit, viens, on va te fouiller. Ils ont fait, ouais, ça va. Je pourrais avoir un couteau dans ma chaussette. N'importe qui pourrait tuer n'importe qui. Du coup, moi, ça me stresse et j'ai pas envie de mourir. Ce qui est normal, je pense que pas grand monde a envie de mourir. Donc voilà, c'est pour ça que j'allais pas à des conventions, parce que les gens me font peur. Chaque personne peut potentiellement tuer quelqu'un, et du coup, sauf que bon, ça n'arrive jamais, c'est juste que je suis beaucoup trop parano. Liam, merci beaucoup à toi encore. Tu as vu le logo que t'as fait avec ma sœur sur Instagram. Vous avez fait beaucoup de logos. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de logos. Je ne pensais pas du tout que ça allait être une réaction à ma vidéo, parce que du coup, j'ai fait une vidéo où j'engageais des graphistes pour faire un nouveau logo. Et les gens, ils ont compris que je voulais impérativement un nouveau logo et que j'allais pas choisir un des cinq. Et du coup, en vrai, il y en a qui m'ont dessiné des trucs trop choux et tout, c'est trop beau. J'en ai like quelques-uns. Mais il y en a qui m'en envoyé plein aussi sur ma boîte Mail Pro. Toute une histoire, la boîte Mail Pro aussi. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris la définition de professionnel. Petit message d'ailleurs pour ceux qui pourraient penser à m'envoyer un mail pro. Chaque mail qui commence par « Bonjour, je sais que ce mail n'est pas professionnel, mais... » C'est supprimé. C'est nous, il y a plein d'endroits pour me contacter, pas le mail professionnel. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de logos et tout, et c'est très très mignon. Mais du coup, j'ai décidé de choisir le logo de la dame, qui est le dernier logo de ma vidéo, en fait, que je trouve trop stylé, que j'ai mis du coup en logo de Twitch. Il n'est pas sur cet overlay-là, parce que je ne l'ai pas mis, parce que je me suis dit que j'allais faire un truc un petit peu plus neutre. Mais voilà. Yay, merci beaucoup à toi pour le 7e mois. Merci beaucoup. Du coup, oui, mais je suis désolée si j'ai pas vu le tien. Normalement, je like de plus en plus de trucs sur Instagram. Avant, je likais rien parce qu'il y avait ce système où tu pouvais espionner les autres et dès que je likais un truc, tous mes abonnés voyaient ce que j'avais liké. Et ça me fatiguait parce que du coup, ça créait des espèces de clans. Dès que je likais une photo sur Instagram, tous les autres abonnés, ils étaient là. Ah, pourquoi t'as liké celle-là et pas la mienne? J'étais là, parce que celle-là, je l'ai vue et pas la tienne. Du coup, maintenant, je like plus de trucs. Ça veut pas dire que je like tout. Par contre, maintenant c'est incroyable, on peut voir quand quelqu'un me mentionne en story, je peux regarder les stories des autres qui m'ont mentionné. C'est incroyable. Et je trouve ça très très drôle d'ailleurs, parce que du coup, les gens ils voient après que j'ai vu leur story. Il y a marqué Frozen Crystal a regardé votre story. Du coup, il y a plein de screens en mode waouh, Frozen Crystal a regardé ma story en me mentionnant. Waouh, c'est la troisième fois que tu regardes ma story. Waouh, c'est la cinquième. Je vais les regarder à chaque fois. Arrête. Il y en a une, elle en est à 8. Et c'est la 8e. Non. Je vais les regarder à chaque fois. Ne t'inquiète pas. Habituez-vous. Au bout d'un moment, peut-être que je pourrais pas les regarder. Mais j'aime bien. C'est sympa dans mon lit. Du coup, je peux regarder un peu ce que les gens ils pensent de moi. Mais voilà, tu réponds aux DM Twitter ou Insta. Par contre, non, ça je peux pas. Je réponds de temps en temps, mais c'est vrai que je réponds pas à tous parce que du coup, sinon je ne peux pas. Un truc auquel je peux répondre, c'est quand les gens me mentionnent en story avec une question. C'est les questions stickers d'Instagram et tout. Ça, je peux répondre à cette question-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais. C'est assez mal foutu. Mais c'est logique d'ailleurs, sur Twitter ou Instagram, si jamais je réponds à un message, la personne a du coup la possibilité de me contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toujours. Et je vous aime tous, mais si je fais ça à tout le monde, je passe ma vie à répondre au salut, ça va et tout, et je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas avancer, déjà que j'ai du mal à répondre à ma propre famille. Il faut que j'appelle ma mère et ma comptable d'ailleurs, qui m'a envoyé un message aujourd'hui. J'arrive même pas à trouver le temps de répondre à ma propre famille. Du coup, je ne peux pas. Et ça fait méga mégalo de dire « Ah là, oui, il y a tellement de gens qui me contactent, je peux pas leur répondre. » C'est pas mégalo. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est dans le sens où j'ai pas envie de vexer les gens parce que je ne réponds de base jamais. Du coup, voilà. Mais je réponds par exemple genre sur Discord. Je regarde sur Discord de temps en temps, sur les channels Discord et tout. C'est pas en mode je réponds à chaque question, à chaque message et tout, mais je suis beaucoup plus
c'est beaucoup plus probable que j'interagisse sur Discord que je vous réponde sur Instagram, par exemple. Mentionnez-moi en story, par contre, si vous voulez que je vois les choses, si vous avez une question en particulier. Par exemple, merci beaucoup Julie GND qui offre un abonnement à Scooby. Bienvenue à Scooby. Merci beaucoup à Yonalia qui s'abonne. Et merci beaucoup à Les for Twitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, voilà, ça c'est pour le logo. Donc voilà, j'ai choisi ce logo-là. Pourquoi un raven? Pourquoi un corbeau, du coup? Parce que pourquoi pas? J'avais envie d'un truc qui soit pas un phénix, mais qui soit une espèce de représentation d'un phénix. Et puis j'adore les corbeaux. Du coup, voilà, il y aura peut-être que je vais changer les petites émotes devant. Ça s'appelle pas des émotes, ça s'appelle des badges. Les petits badges. Du coup, là, pour l'instant, vous avez un œuf avec un Wilson qui sort de l'œuf. Et je me dis que pourquoi pas changer et faire un truc avec des ailes de corbeau. Dit comme ça, ça paraît vraiment ridicule, mais non, mais ça va rendre bien. Ça va rendre bien. Chloé qui offre un Savastora, incroyable. Incroyable. Sora avec qui je vais live bientôt. Bientôt. Du coup, voilà, ouais, c'est stylé encore. Bon, c'est plus de façon. J'ai toujours mon cristal, donc ça va. J'ai toujours le cristal. Et il est quand même stylé, ce cristal. On va pas se mentir. Je l'ai pas mis sur l'overlay non plus, mais c'est pas grave. C'est pas parce que je mets pas un truc sur un overlay que ce n'est plus mon identité visuelle. Voilà. Du coup. Comment rejoindre ton Discord? C'est en dessous, il y a marqué Discord. Tu cliques dessus. Normalement, tu atterris direct sur mon Discord. Voilà. Pour l'instant, c'est un Discord. Il n'est pas inactif, dans le sens où il y a des gens dessus. Mais je ne le pubais jamais. Je ne mettais jamais dans les descriptions YouTube, par exemple, parce que j'avais peur que beaucoup de gens arrivent et soient perdus. Ils ne comprennent pas et s'énervent et pensaient qu'ils étaient là uniquement pour me parler et du coup que ce soit le festival de râlage. Donc voilà, là le Discord il est en dessous, et si jamais vous voulez le rejoindre. À mon avis il va y avoir une petite refonte et tout, un petit renouveau comme un petit peu tout, pourquoi pas faire des événements dessus de temps en temps et tout ça. Mais pour l'instant c'est juste tranquille, c'est juste pour parler. Qu'est-ce qu'il y a, oui, ça? Il y a qui? Alors oui, j'habite dans un studio maintenant, donc Wilson est constamment avec moi, ce qui est génial. Mais Wilson est un chien qui aboie beaucoup. Les chiens de type Spitz, peut y avoir un papillon qui vole dans le jardin. Enfin, j'ai pas de jardin, mais un papillon qui vole devant la fenêtre. Il va aboyer. Donc, va falloir s'habituer à ça. Mais après, ça va. Wilson, y'a rien? Y'a rien. Merci beaucoup, Goody, pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Viens, Wilson. Tiens, viens dire bonjour. Regarde, il n'y a pas encore eu la minute Wilson. Voilà. Vous voyez sa tête. Voilà. Firetex, merci beaucoup. Oui, pourquoi pas, en soi. Pas de soucis. En soi, pas de soucis. Voici mon chien. Voici Wilson. C'est Wilson. Vous voyez juste sa tête. C'est à peu près. C'est un nuage blanc. Autre que ses yeux et son nez, de toute façon, vous ne verrez pas grand chose d'autre. Donc voilà, ceci est un chien qui aboie beaucoup. Ceux qui me suivent depuis longtemps, avant mon dernier appartement, celui encore avant, vous savez que c'est un chien qui... Il fait savoir qu'il est là. Il est là. Du coup, on t'entendra plus souvent. Hein? Hein? Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Cracotte, pour les 33 mois. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Tu t'étires vraiment sur moi là? Ah non, c'est juste en mode hey, donne-moi de l'attention! Ça fait 2 heures que tu parles toute seule, j'en ai marre! Bon, ça fait pas 2 heures, 1h30. Par contre, tu me tires un peu mes vêtements. Voilà. Donc, ça, c'est le chien-chien que vous verrez. Je sais pas comment faire en sorte que vous le voyez de temps en temps, parce que la caméra ne va pas si loin que ça. Genre là, vous voyez. Là, tu vois là? Bah voilà, reste là. Hop là, tu bouges plus. Il va bouger en 4 secondes, hein. mais c'est un chien de toute façon. Ça c'est un truc que j'ai toujours dit dans les lives en règle générale. Il y a plein de gens qui me disent toujours « Ah, montre le chien !» Laissez-le faire sa vie, s'il dort, il dort. Le pauvre, laissez-le faire sa vie quand même. Du coup, voilà, c'était la minute chien. Elchi, merci beaucoup. Merci beaucoup, ton chien est juste trop beau, une grosse peluche comparée à mon Yorkshire. C'est vrai que c'est une peluche, mais ça n'a pas que des avantages. Un grand chien blanc, au poil long, quand vous portez que du noir. Ce n'est pas vraiment
le bon plan. Merci beaucoup, Aori. Merci beaucoup pour le 7e mois. Merci. Est-ce que je ferai un room tour? J'en sais rien. J'ai l'impression que ça fait... Pareil, c'est un peu saut 2016, les room tours. De toute façon, en fait, là, je le ferai pas parce que c'est un peu le bordel, parce que je suis rentrée hier. Je suis quelqu'un de très bordélique. Ça se voit pas du tout, parce que je fais toujours en sorte que ce qui est derrière moi soit esthétique et joli. Mais là, bon, on voit encore la couleur du sol, mais ce qu'il y a sur les meubles, c'est moyen. Du coup, je pourrais vous faire un petit droit de gauche avec la caméra un autre jour, quand ce sera rangé. Mais en fait, littéralement, genre là, c'est mon bureau, et là, vraiment, genre là, il y a mon canapé lit où je dors, avec ma table basse. J'ai ma cuisine derrière moi, et c'est tout. C'est un studio, pour le coup, c'est un studio, donc c'est pas très très... Il n'y a pas beaucoup de choses. Et puis, je suis pas quelqu'un de très... très esthétique, en mode j'ai des meubles trop stylés, j'ai des trucs trop stylés chez moi, enfin je mets un PC derrière moi avec une cheminée pour faire un effet stylé quoi, enfin, voilà, c'était pas ça pourrait être un truc que je ferais sur Twitch juste pour vous montrer vite fait, mais c'est pas, et mon appart n'est pas non plus transcendant, c'est juste un endroit pour vivre et pour dormir et pour streamer, voilà, moi ça me va, honnêtement c'est tout ce dont j'avais besoin. Et cet appartement-là, vous vous dites « Ah, trop bien, maintenant elle est posée, machin, elle va pouvoir enfin rester dans un appartement. » Non ! J'ai même pas un bail d'un an. Je vais devoir partir dans quelques mois, parce que c'est toujours aussi compliqué de trouver des apparts quand vous êtes youtubeur. Je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs qui disent la même chose. Vous avez beau dire « Ah, oh, je suis gérant de ma société, je suis fondateur de ma SARL et tout. » Et ils vont dire « Oui, mais la société, elle fait quoi ?»« des vidéos ludiques sur Internet. »« Ah, non !» Voilà. T'as beau tourner la phrase comme tu veux, de dire que tu es... Enfin, de toute façon, moi, j'arrive avec ma dégaine et mes cheveux de couleurs. Déjà, j'annonce la couleur, même si je mets une chemise et tout, une belle robe, machin. J'annonce la couleur de base. Et quand tu dis « Oui, alors, ma société et tout... »« Elle fait quoi, votre société ? » ?»« Elle fait des vidéos. » Ah, bah bonne soirée, madame. Donc, là, je suis dans cet appartement-là, mais je vais pas y rester. J'adore ma vie, je vais encore devoir redéménager. Mais c'est pas grave. Cette fois-ci, j'aurai plus de temps, du coup, pour trouver un appartement. Et donc, l'autre appartement, en théorie, j'y reste un moment. MDR. Depuis 2015, je dis ça. Mais un jour, je vais y arriver. Ça a combien de déménagements ces dernières années ? Je suis à un par an. Là, celui-ci, j'ai compté, parce que je l'ai vu dans ma vidéo que j'ai dû re-regarder pour la mettre dans ma vidéo de retour. En fin 2018, quand j'ai fait ma vidéo « Bienvenue en 2019 » et tout, j'avais dit que le déménagement que j'avais fait l'année dernière, c'était mon 19e déménagement. Donc j'en suis officiellement à mon 20e déménagement depuis ma naissance. Voilà. Il n'y a plus de musique ou c'est moi ? Non, c'est vraiment que j'entends rien. Vous entendez encore de la musique ? Moi, j'entends que dalle. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon 20e depuis ma naissance. Bon, après, je viens d'une famille militaire, donc on a beaucoup déménagé même quand j'étais petite. Mais bon, comment dire que voilà, c'est pas mon dernier non plus. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est mieux d'être tranquille. Non, c'est mieux justement de bouger de temps en temps que d'être tranquille et de pas bouger de toute sa vie. Vous entendez ? Ok, super. Pas de soucis. Flocking, merci beaucoup à toi pour le 7e mois. Re-bienvenue. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Du coup, voilà, j'arriverai à trouver quelque part et d'y rester au bout d'un moment. Donc, je vais bien finir par y arriver, mais c'est pas le plus grave, on va dire. Pour moi, c'est pas le plus grave. Butterhead, merci beaucoup à toi aussi pour le Prime. Et Lune de Cristal aussi pour le Prime. Incroyable. Du coup, voilà, ce fond-là... Vous habituez pas trop, parce qu'il va rester que quelques mois aussi. Mais j'ai envie de dire, les gens, je sais que vous êtes pas là pour avoir un fond fixe, parce que ça n'arrivera jamais avec moi de toute façon. Masamune Kenshiro, merci beaucoup à toi pour le sub. Bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, j'ai hésité, je me suis dit, attends, comme tu bouges tellement, tu devrais faire un fond vert. Tu devrais faire un fond vert et comme ça les gens, même si tu bouges tout le temps, bah, ils se rendraient pas compte parce que tu aurais toujours le fond vert.
Mais je sais pas, ça fait trop pro, c'est pas... J'ai essayé d'avoir un fond vert, j'en avais pendant quelques mois, même pas, pendant genre un mois. Je sais pas, je... Ça fait trop impersonnel. Du coup, j'ai pas gardé. Je l'ai pas gardé. Merci beaucoup, Pride Rider. Merci beaucoup. Il y a des gens qu'on ne présente plus, exact. Il y a des gens, il y a des pseudos que je connais depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont cru en moi, qui sont restés abonnés à cette chaîne Twitch. Mais à partir de maintenant, ça va changer. Maintenant, vous pouvez vraiment croire en moi. Même moi, je commence à croire en moi-même. C'est pour dire. Du coup, voilà. C'est pas chaleureux, exactement. Pour moi, un fond vert, c'est moins chaleureux. Puis surtout que normalement, quand je vais arriver à setup les lumières derrière, ça fera stylé, ça fera arc-en-ciel et tout. Puis ça s'illuminera quand il y aura un sub, un don et tout le bordel. Ce sera trop bien. Mais peut-être pas tout de suite. Je vais essayer de voir demain si j'arrive à setup ça. Mais ce n'est pas l'idée de faire ça tout de suite parce que ça marche pas pour l'instant. Du coup, je pense que J'ai résumé à peu près ce que je voulais dire. Il y a des subs qui ont des pseudos très longs et du coup qui bloquent l'overlay, il va falloir que je change ça aussi. J'ai pas mal de petites choses à changer. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente, ça rend bien. Merci beaucoup Ben et Froze. Merci beaucoup pour le sub. C'est mon quatrième décor que j'ai connu. Mais il y a des gens en fait qui arrivent à se repérer en mode « Ah, moi je connais Marie depuis que... » Soit ils disent « Je connais Marie depuis qu'elle est sur tel fond » ou soit ils disent « Je connais Marie depuis qu'elle a les cheveux de telle couleur ». Ça aussi, on dit ça beaucoup. Merci beaucoup Yens et Aura pour le Prime. Merci beaucoup. Et aussi Acha, tu es passé à la trappe. Je sais pas pourquoi tu étais pas dans mes alertes. Très bizarre. Merci beaucoup. Bonjour à toi. Du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai une mémoire de poisson aussi, ça vous allez très vite vous habituer. Si je parle d'un truc, et il y a une alerte, et j'oublie de quoi je parlais. Mais c'est pas grave, de toute façon je parle de tellement de choses en même temps. Mais oui, du coup, voilà, les fonds et les couleurs de cheveux, là normalement ça devrait se calmer un petit peu. J'aime bien cette couleur de cheveux, je vais la garder. Je vais la garder parce qu'en plus, en fait, je le montre pas trop parce que ça me stresse, mais... Quand je vous dis que les décolorations, ça bouffe les cheveux de ouf, c'est-à-dire que là, regardez combien de cheveux j'ai là, regardez combien j'en ai là. Je les avais là en plus, donc j'en ai coupé vraiment pas mal. Mes cheveux tombent et pourtant j'ai fait qu'une seule décoloration pour avoir... Non, j'en ai fait deux. J'en ai fait une partout pour pouvoir avoir les cheveux rouges. Après, j'en ai refait une pour pouvoir avoir les cheveux bien violets, bien beaux et tout d'un côté. Et plus jamais, ça m'a bousillé mes cheveux. Donc là, j'ai compris que cette couleur-là, je pouvais la faire sans avoir à me décolorer les cheveux. Mais voilà, c'est faut que j'arrête. Mais celle-là, j'aime bien. J'aime bien ces couleurs-là, ça rend bien, je trouve. Au pire, go boulazette, bien sûr. Ah, totalement. Totalement, c'est prévu. Pas du tout. Ça ne m'irait pas du tout. C'est pour le coup, c'est mes cheveux, je me suis toujours un petit peu cachée derrière. Et pour le coup, j'aime bien la couleur. Là, ça rend pas bien parce que du coup, j'ai trop de cheveux d'un côté par rapport à un autre. Mais c'est pour ça que je les mets derrière. Je fais tout le temps ça, vous allez remarquer. Maintenant que vous savez, vous allez remarquer. Oh, je devais recorder ça pour YouTube, du coup. Bah yes. Super bonne streameuse qui oublie déjà ce qu'elle doit faire. Mais ouais, bon, je résumerai pour YouTube. Je résumerai pour la chaîne secondaire. Mais en gros, je pense que j'ai bien résumé. Je suis contente. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, en gros, reprise des lives définitive. Et reprise des lives de type 4-5 lives par semaine. Pas de type un live par mois. Snipes Gaming, merci beaucoup à toi pour le Prime. Merci beaucoup. Du coup, on va faire des jeux, on va parler, ça va être super. J'ai déjà un planning fixe d'horaire. Maintenant, j'ai pas de planning de ce que je ferai. Parce que c'est trop, faut pas trop en demander non plus. Planning fixe d'horaire, ça va me forcer à me caler dessus pour pouvoir trouver le temps et faire ça. Mais par contre, pour les jeux, je sais que donc normalement, demain, on commence Luigi's Mansion. Ça va être très sympathique. Très sympathique, mais pour l'instant, c'était super galère de setup la Switch et tout avec un seul écran. C'était pas possible. Du coup, normalement, demain, ça devrait le faire. Alice Wonder, merci beaucoup à toi pour le sub aussi. Merci. De toute façon,
Il y a les rediffs sur Twitch, même si je les mettrai à mon avis sur YouTube. Il y a de toute façon des rediffs disponibles pour tout le monde sur Twitch. Sur Twitch, vous pouvez juste aller... donc normalement, je sais que la moitié d'entre vous, vous n'êtes pas sur PC, donc ça ne vous parle pas. Mais moi, je sais pas comment ça marche sur téléphone. Mais sur PC, là, il y a live et normalement, il y a un onglet vidéo juste à côté. Et donc là, ce live-là se transformera après en vidéo. Et la vidéo, vous pourrez la regarder. Normalement, en plus, il n'y a rien de copyright. Parce que c'est assez chiant, le copyright, c'est comme ça partout. Quand il y a des trucs de copyright, vous ne pouvez pas entendre ce que j'ai dit. Mais là, il n'y a rien de copyright. Théorie. Merci Gilou, comment vas-tu? Bonjour à toi, salut. Le planning c'est pas des trucs qui tiennent max 2 semaines par stream. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, tu ne peux pas dire ça. Là le but c'est... En fait, je me rends compte que sans planning, j'arrive pas à live. Parce que à chaque fois je fais plein de trucs. Et puis au bout d'un moment je me dis, oh, c'est vrai qu'il est 19h, et c'est vrai qu'il est 23h, c'est vrai qu'il est 4h du matin, et je n'ai pas live. Non. Là, comme je sais que c'est 17h tous les jours, enfin pas tous les jours non plus, il y aura des jours de temps en temps où ça sautera, ne nous emballons pas. Je ne sais pas encore quel jour ça sautera, j'ai plus de voix. Super, au bout de 2 heures, il va falloir que je me réhabitue. Merci beaucoup, Les Sports Twitch, merci beaucoup. Je t'adore, quand j'ai vu qu'on pouvait payer avec PaySafeCard, je me suis barrée à aller en chercher une. Incroyable, merci beaucoup, ça c'est de la dédication. C'est beau. C'est vrai que ça existe encore, les PaySafeCard. Incroyable. C'est des choses qu'on achète dans les bureaux de tabac, c'est ça? On donne des sous, ils nous donnent une carte pour les sous, et ça marche sur internet. Incroyable. C'est fini, c'est la rediff. Non, je disais que les rediffs seront disponibles, mais là ce n'est pas une rediffusion, je suis là. La rediff sera dans vidéo. Et il sera aussi normalement sur la chaîne secondaire. Bon là j'ai oublié de... Peut-être que je pourrais télécharger la rediff et couper les trucs. Ouais, peut-être. Mais... Non. Là c'est un live. Il y aura des lives de temps en temps. Les gens ils sont tellement plus habitués que je live que... que du coup quand il y a un live ils pensent que c'est une rediff. Non. C'est bien, ça va bien commencer. Du coup on va faire Luigi's Mansion à partir de demain. Si c'est bien on continue. Si c'est pas bien et que je m'en sors pas. Et que j'arrive pas, ou que le jeu est pas si ouf que ça, on le continue pas, on fait autre chose. Il y a Pokémon qui sort dans 10 jours, on fera Pokémon, mais sinon dans les jeux filler, enfin les jeux qu'il y aura quand il y aura pas de sortie majeure de Nintendo ou ce genre de choses, ce sera principalement à mon avis World of Warcraft. Vous allez finir par comprendre, je vais vous expliquer, c'est bien, ce jeu est bien, vous allez voir, je passe ma vie sur ce jeu, c'est incroyable. En plus à partir de demain, c'est l'anniversaire des 15 ans de ce jeu. Ça prouve à quel point il est vieux, comme moi. Mais c'est trop bien, on va pouvoir avoir une monture dragon et tout, ça va être exceptionnel. La nouvelle extension qui sort l'année prochaine, elle va être incroyable. Incroyable. Donc World of Warcraft, il y en aura souvent. Et à mon avis, en fait, je sais pas si... Je sais pas quel autre jeu je ferais, parce que j'ai très envie de reprendre League of Legends. Il y a une partie de moi qui a envie de reprendre Fortnite, mais j'étais vraiment, vraiment nulle à chier. Du coup, c'était compliqué. Team épée ou team bouclier? Pour moi, je pense que je vais être team épée. Bouclier, ils ont le Ponyta trop stylé. Oh, ils ont le truc trop stylé. Et du coup, bon, faut juste que je trouve quelqu'un avec bouclier qui va me l'échanger. Mais pour moi, le légendaire de bouclier, on dirait vraiment un panneau solaire. Il est beaucoup trop... Il a pas du tout la classe. L'épée, elle est stylée. Voilà. Quand même. Faut que tu nous parles d'animal aussi. Oui, c'est vrai. Je vais participer à un événement caritatif incroyable pour les animaux. Vous voyez son petit cul. Il est là. Vous savez que j'adore les animaux. J'ai toujours adoré les animaux. Merci beaucoup, Citrouille, pour les 7. Merci beaucoup pour les 11 mois. Sindouille, n'importe. Citrouille, bah bien sûr. Elle sait parler, la fille. Sindouille, Bobo, excuse-moi. Je suis désolée. Du coup. Qu'est-ce que je disais? Donc, animal. Oui, ça va être incroyable. Je vais faire un événement donc caritatif pour les animaux. 10 heures de live. Non, 12 heures de live. De 16h à 4h du matin. Yes, moi qui dis que je veux me recadrer, justement, c'est pour ça que je live pas le soir. Mais là, ça va être génial. Ça va être un événement. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je me sens assez privilégiée de me dire que je suis invitée à un événement comme ceci. Mais c'est un événement caritatif, du coup, avec une quinzaine de streamers au même endroit. Pour ceux qui connaissent The Event, c'est la même organisation. Enfin, c'est pas la même organisation, parce que Animal, c'est vraiment l'événement caritatif de Rémi Gaillard, mais du coup, il y aura l'organisation de Zerator qui organisera ce live-ci, et je suis dedans. Ça
c'est incroyable. C'est incroyable. Je pensais pas du tout un jour être acceptée parmi les grands. Mais c'est parce que du coup, j'adore les animaux, et j'ai toujours dit que j'adorais les animaux, et que je suis vraiment... Pour moi, il faut aider les animaux autant qu'il faut aider les humains, en fait. Il faut aider les humains aussi, bien sûr, ne pas oublier les humains, mais les animaux sont importants. L'abandon des animaux, c'est quelque chose qui me fait arracher mes yeux, et j'ai juste envie d'adopter tous les animaux du monde, mais comme je peux pas le faire, on va essayer d'aider les animaux. Et ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est le 7 décembre, dans un mois, ça va être génial, ça va être incroyable, ça va être un événement du coup, donc on va être 15 streamers à streamer en même temps sur 15 chaînes différentes, enfin entre 15 et 20, et c'est grave cool, et franchement je me prépare mentalement, et faut vous préparer vous aussi, parce que du coup je serai vraiment la petite nouvelle, je suis un petit peu la seule qui n'a jamais vraiment streamé avec ce groupe là, alors que c'est un groupe que, enfin c'est vraiment, bon ceux qui sont de Twitch vous connaissez un petit peu le groupe de Zerator, et moi je me disais, ma petite Marie qui fait ses bails de son côté, jamais de la vie elle sera dans un groupe de gens de base, ce groupe là encore moins, du coup je veux pas arriver et être quelqu'un avec une communauté qui est, comment dire, je veux pas être quelqu'un en mode oh bah elle a fait aucune différence, non, je ferai une différence et on fera tous une différence, J'espère, du coup c'est le but. Du coup on en reparlera de toute façon parce que c'est dans un mois, mais ça va être super, ça va être vraiment un événement avec des gens. Je vais voir des gens, je vais streamer avec des gens, ça va être génial. Mais genre vraiment avec des gens dans la même pièce et tout, ça m'est arrivé peut-être... Ça m'est pas arrivé. Non, ça a dû m'arriver une fois ou deux de streamer avec 2-3 personnes dans la même pièce. Ça me revient pas, mais ça a dû m'arriver. Mais bref, dans tous les cas, ça va arriver. Et du coup, je trouve ça trop bien. Je trouve ça génial, parce qu'en plus, c'est pour une cause que vraiment, c'est un des trucs que j'affectionne le plus. Pour moi, la protection des animaux. Du coup, je dis ça à chaque fois en regardant mon chien. Oui, il est toujours vivant, il est là. du coup, ça va être super. Ça va être super. J'en reparlerai, parce que j'ai largement le temps de voir venir. Mais le temps passe vite, quand même. La 24h3M, c'était différent parce que c'était une chaîne. On était les trois dans la même pièce, mais c'était sur une chaîne. C'était pas en mode des streams avec plein de gens sur plein de chaînes en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus ça que je voulais dire, en mode LAN, tu vois. En plus comme ça. Merci beaucoup Fortinas pour les 43 mois. Merci beaucoup. Et merci à Les for Twitch qui a gift un sub à Gus57. Je n'arrive plus à lire. Et Bad Farby aussi qui s'est sub, incroyable. C'est l'heure d'arrêter. Non, j'arrive encore à parler. Faut juste que je boive de temps en temps. J'arrive pas à faire des moments de silence. Tel que celui-ci. Ouais, le format escouade maintenant sur Twitch. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai pas assez de gens qui streament dans mes amis proches. Du coup, ça va être l'occasion. Ça va être trop bien. En vrai, ça va être vraiment un truc bien. Et j'espère juste ne pas tout ruiner avec ma maladresse habituelle. Mais normalement, non, c'est pour ça. C'est un truc auquel j'aurais été tellement stressée que j'aurais pas pu dire oui l'année dernière. Mais là, je dis oui à tout. Je vais voir des gens, je vais faire des choses avec des gens. Et ça va être trop bien. Donc préparez-vous mentalement à rester réveillé jusqu'à 4h du matin ce jour-là. Parce que moi, c'est ce que je vais devoir faire. Mais 4h du matin, ça va encore. C'est pas comme si je vous avais dit que je fais un live 24h. 24h, ça réarrivera peut-être. Mais voilà, pour l'instant, faut qu'on voit, parce que donc le live 24h, le prochain qui était prévu, c'était le live 24h3M. Oui, je parle très vite, oui, c'est... Faut que j'arrête, on me l'a fait remarquer plusieurs fois, que c'est les gens stressés, ils parlent très vite. Du coup, de temps en temps, on me dit, essaye de parler plus doucement. Mais quand je parle plus doucement, j'ai vraiment l'impression trop ralenti, ça me stresse. Ça me stresse de parler en mode je suis pas stressée, vous voyez? Bref. Qu'est-ce que je disais? Attends, je parlais de quoi? Oui, le live 24h3M. Il se trouve que en décembre, il va y avoir des choses qui compromettent peut-être le live 24h3M. Mais, parce que c'est des choses encore mieux. Bien sûr, avec les trois. Mais du coup, on n'en a pas reparlé un petit peu du live 24h3M. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent beaucoup cet événement-là. Mais il y aura d'autres live 24h de toute façon. Mais en fait, il y a un truc qui m'agace.
un peu. C'est pas que ça me saoule, je suis pas extrêmement énervée, mais ça m'agace. C'est que les derniers lives 24 heures que j'ai fait, c'était toujours pour les autres, entre guillemets. C'est pas, enfin, c'était pas pour les autres, parce que j'étais ravie, j'étais pas forcée de faire des lives 24 heures pour les autres. Mais c'était jamais pour ma chaîne, c'était jamais pour moi, moi-même, uniquement moi-même. J'ai fait quelques lives 24 heures dans ma jeunesse, quand j'arrivais à supporter de rester 24 heures debout, sur Twitch en 2014-2015. Mais, dernièrement, les derniers lives 24 heures que j'ai fait, j'étais jamais toute seule. Bon, ça c'est normal, parce qu'il faut être taré pour parler 24 heures full toute seule. Quand je vois qu'au bout de 2 heures, j'en peux plus, ça c'est parce que je suis malade. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, potentiellement, refaire un live 24 heures juste sur ma chaîne. Mais alors là, pas tout de suite non plus, parce que c'est pas prévu dans l'immédiat. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, parce que c'est vrai que ça se fait toujours, les live 24 heures, mais c'est toujours aussi dur à tenir, mais pourquoi pas ? En soi, pourquoi pas, mais je ne sais pas, j'ai pas encore de... C'est quelque chose qui se prépare un petit peu plus que juste lancer un live et dire « Ah, il va durer 24 heures !» Certains peuvent le faire, moi j'ai pas les capacités physiques pour, au bout d'un moment je m'effondre. Surtout dernièrement, je crois que c'était les deux derniers lives 24 heures que j'ai fait, où genre le dernier, je me suis dit « Ah ouais, là j'ai besoin d'aller dormir une heure chiant !» Du coup, c'est pas prévu dans l'immédiat. Eryl Luna, merci beaucoup à toi pour les 11 mois. Bienvenue. Enfin, pas bienvenue, non, ça fait 11 mois, t'as déjà bien été accueillie. Re-bienvenue. Ce que je veux, c'est quand les gens te disent « Marie, fais ça ». Mais oui, mais c'est ça. En fait, c'est ce que je veux dire quand je parle de la jeunesse insouciante. C'est ceux qui ne... En fait, c'est même pas la jeunesse. La plupart du temps, c'est la jeunesse, mais il y a des gens parfois qui comprennent pas. Dès que je parle d'un truc, genre « Ah, j'aimerais bien peut-être faire un live avec... » Fais-le tout de suite! Maintenant! Et joue à ça! Et fais ça! Et arrête de parler! Et refais un autre live! Et il est quand le prochain live? Ces gens-là qui m'ont foutu une pression tellement dingue. En fait, la plupart des gens, ils pensent que j'ai arrêté YouTube uniquement à cause des haters. Les haters sont des gens un petit peu insouciants et relous sur Internet. J'en ai eu pas mal, mais j'en ai pas... Enfin, c'est pas ça. J'en avais pas des centaines de milliers, clairement pas. J'avais quelques gens qui m'aimaient pas et c'était assez frustrant. Mais vraiment, les gens qui m'ont poussé à bout et qui m'ont rendu dingue, c'est du coup la... Je sais pas comment les décrire. Les gens qui manquent de tact, les gens chiants, les gens qui vraiment ils pensaient que j'étais Bob l'éponge. Et Bob l'éponge, il pouvait faire 850 épisodes de suite, il serait toujours à fond. Je ne suis pas Bob l'éponge. Je ne peux pas. C'est pas possible. Kylian, merci beaucoup à toi pour les 3-0. Merci pour ce live superbe, je te soutiens pour ton live et pour les animaux. C'était pas mon live, enfin, ce sera sur ma chaîne, mais ce sera pas mon live, c'est pas moi qui organise ça. Mais oui, il faudra être là, ce sera trop bien. Mais je vous donnerai plus de précisions parce que du coup, il y en a qui sont pas habitués un petit peu à ce qui se passe sur Twitch. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Il y a aussi Super Saiyan qui sait ça, bienvenue. Bienvenue. Du coup, voilà, c'est pour moi, en fait, j'aime pas dire que c'est uniquement la jeunesse qui a fait que je suis devenue dingue, parce que il y a des jeunes qui sont quand même très matures. Pour moi, c'est ce que j'ai dit en répondant à un commentaire parce que j'ai mis un post communautaire sur YouTube en disant que je faisais ce live sur Twitch ce soir, et j'ai dit par contre, c'est une ambiance un peu plus mature, posée et tout, du coup, je déconseille aux très jeunes. Dans le sens où, sur YouTube, je me suis toujours un petit peu plus censurée. Mais genre, là, sur Twitch, si j'ai envie de dire que putain, il me fait chier, bah il me fait chier. Il me les brise, il me casse les couilles, je peux dire ça sur Twitch. Sur YouTube, je ne peux pas dire ça. Parce que... Enfin, je ne pouvais pas dire ça. De plus en plus, je reviens un petit peu... Chasse le naturel, il revient au galop. Parce que je me faisais insulter par des parents, en convention. Qui venaient avec leurs enfants, qui me disaient « Non mais attendez, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, et puis quand même les SCP, qu'est-ce que c'est que ces vidéos-là, c'est traumatisant pour mon enfant et tout. » Ben niquez-vous. Non mais voilà, enfin, ça m'énervait, du coup j'étais obligée de me censurer parce que je me faisais engueuler par des parents qui n'étaient pas les miens. C'était fatigant. Et du coup sur Twitch, pour le coup j'ai mis mon stream en mode mature, mais pas en mode... si vous avez 13 ans, vous pouvez pas regarder. Moi, à 13 ans, j'étais mature. J'ai connu quelqu'un j'ai un de mes amis, du coup, qui maintenant a 20 ans. Je l'ai connu, il avait 13 ans, il était extrêmement mature. Et quand je lui parlais, j'avais l'impression qu'il avait 20 ans. Donc pour moi, l'âge ne fait pas la maturité. Mais il y a des gens,
extrêmement immatures, peu importe leur âge, et c'est ces gens-là qui m'ont rendu dingue, et en fait les gens ils comprennent pas. Ils pensent vraiment que c'est uniquement à cause des haters. Mais non! Non, non, il y avait des gens qui m'aimaient beaucoup, mais qui du coup étaient tellement insupportables que je ne pouvais pas. Voilà. Merci beaucoup, Licia, pour les 43 mois. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est très gentil. Bah, tu regardes pas, meilleure réponse à donner. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que les parents mettent leurs enfants assez jeunes devant du contenu qu'ils vérifient pas. Il y en a certains, ils vérifient pas, et du coup, les enfants, ils ont leur iPad, les écouteurs. Ils regardent des vidéos, d'un coup ils tombent sur moi, sur Dead by Daylight qui insulte des mères. Et du coup, ils sont pas très fans. Ils sont pas très fans et ça se comprend. Mais c'est parce que leur enfant, ils devraient pas regarder ça. Parce que Dead by Daylight, c'est un jeu de base interdit aux moins de 18 ans. Bon, moins de 18 ans, faut pas déconner. À 13-14 ans, tu peux jouer à un truc comme ça. Mais, et du coup, le langage va avec. Moi, je suis quelqu'un qui, dans la vraie vie, bon, je dis pas une insulte à chaque mot, mais... Ce serait compliqué, une insulte à chaque phrase, plutôt. Mais... Je suis pas quelqu'un qui me censure beaucoup, de base. Mais du coup, sur YouTube, de temps en temps, je me disais « Ah non, non, attends, merde, je peux pas dire ça. Ah, faut que je dise mince. Oh, mince !» Mais non, sur Twitch, c'était plus comme ça. Et j'ai dit « Je veux, du coup, une... » c'est pas « Je veux une communauté mature », mais c'était en mode « Je déconseille aux plus jeunes de venir, parce que ils seraient potentiellement choqués. » Et du coup, j'ai eu plein de commentaires en mode « Mais si on a 12 ans, ça va, si on a 14 ans, et si on a... » Non, non. Maturité, alors après, il y a un seuil d'âge, c'était vraiment en dessous, si tu as en dessous de 8 ans, effectivement, tu ne devrais pas entendre des mots comme ça, c'est compliqué quand même d'être présent sur un segment comme ça, même si au final, là, on parle juste, mais pour les streams d'après. Mais, c'est pas une limite d'âge, mais vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui sont vraiment immatures, les gens immatures, peu importe leur âge, mais ceux-là, ils m'ont rendu dingue, en fait, et c'est vraiment la surconsommation de YouTube maintenant, il faut toujours plus de vidéos, toujours plus de trucs, et tout le temps, et il faut toujours faire ce que les gens veulent, et j'ai essayé, et j'arrive pas à faire ce que les gens veulent. C'est compliqué. Il y a une alerte que je n'ai pas vue. Armel Lunatic, merci beaucoup à toi. Armed Lunatic, merci beaucoup pour le 7e mois. J'ai un projet qui te concerne, j'aimerais t'en faire savoir en privé, si tu veux pas, c'est pas grave. Alors, si c'est un projet de type pro, j'ai un mail pro, si t'as un projet de type pas professionnel, juste quelque chose de basique, enfin, basique, tu vois ce que je veux dire, à la limite, mets-le sur Discord, je pourrais regarder, mais oui, j'aime bien les projets, y a pas de soucis. Game Glam, c'est tellement ça, mais c'est ça, oui, des gens qui me disent non, mais... Je comprends que t'as arrêté à cause des haters et tout, c'est horrible qu'ils fassent ça, mais fais du Dead by Daylight maintenant et fais un live et tout, et il faut que tu sois là à telle heure et tout, et ajoute-moi sur Instagram tout de suite et réponds-moi à mes messages. Ils n'ont pas compris? Ils n'ont rien compris? Parce qu'une personne comme ça, ça va, c'est pas grave, c'est normal, certains sont des enfants, du coup c'est logique, certains enfants ne savent pas comment adresser les choses. Mais des dizaines de milliers de personnes comme ça tous les jours, qui du coup sont frustrées parce que tu n'es pas venu à 16h54 sur tel serveur de tel jeu pour leur dire bonjour, et qu'eux ils t'attendaient, et que toi tu savais même pas que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup, Néo Silfra. Merci beaucoup à toi. Le joli pushing à l'arrière. Oui, c'est mon calendrier. Mais on le voit pas. On le voit pas, c'est... En plus, je voulais faire une blague et tout, j'ai... Ah d'accord, on voit rien. On voit rien, en fait. C'est mon petit calendrier, et du coup, je voulais mettre une date qui n'était pas du tout la date du jour. Voilà, nous sommes le 95 novembre. Mais ça ne se voit pas. Déçu. Faut que je fasse encore des altérations à mon fond. Mais voilà, du coup, c'est ces gens-là, en fait, qui rendent dingue, et c'est compliqué de le dire, parce que c'est pas de leur faute. C'est vraiment pas de leur faute, ils se rendent pas compte, la plupart sont jeunes. Et je pense vraiment que la plupart sont jeunes, parce que quand tu as 25 ans, tu mets pas... Tu penses pas de la même façon. Enfin, après, il y en a certains qui sont pas très très matures quand même, mais la plupart, voilà, sont assez jeunes, et tu peux pas t'énerver sur eux, parce qu'ils sont jeunes. Tu vas pas t'énerver sur un gosse de 8 ans, en disant « Dis donc, tu me parles mieux ?» C'est pas mon rôle, c'est les parents qui doivent faire ça. Sauf que je ne suis pas parent, je ne veux pas d'enfants, je n'aime pas les enfants. Enfin, je n'aime pas les jeunes enfants, les très jeunes, les enfants entre 6 mois et 5 ans. Oh Seigneur, ça m'angoisse rien que d'y penser. Julie, merci beaucoup à toi pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue. Du coup, c'était pas mon rôle de devoir éduquer des enfants, mais du coup, les enfants, il y en a certains qui, du coup, s'énervent beaucoup sur mes choses.
parce que je ne fais pas exactement ce qu'ils veulent, sauf qu'ils se rendent pas compte, parce que si je devais écouter un seul enfant et faire exactement ce que lui il veut, je pourrais. Mais comme il y en a 10 000 qui veulent que je fasse des trucs différents, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, ouais, il y a des conventions où je me suis fait insulter par des parents, mais genre vraiment extrêmement énervés, qui sont arrivés. Et qui me disait, mais c'est inacceptable ce que vous faites, les SCP, je m'en suis pris plein la gueule. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'en ai fait moins, parce que je me suis pris plein la gueule pour faire des vidéos sur des choses qui traumatisaient les enfants. J'étais là, mais tu vois la miniature, tu vois un monstre avec du sang partout, il a pas d'œil, il a une bouche disloquée et tout. Tu cliques pas, mais tu fais pas cliquer ton enfant de 8 ans. Forcément qu'il va être traumatisé. Moi, à 8 ans, je voyais une grosse araignée, j'étais traumatisée. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais du coup, comme c'est les enfants qui restent... Enfin, les parents, ils pensent que YouTube, c'est vraiment... Tu donnes l'application, c'est comme si tu donnais Candy Crush. Et ils se rendent pas compte qu'il peut y avoir des trucs... Enfin, c'est pas forcément du dessin animé. Et comme moi, en fait, forcément, je fais des choses un petit peu radicalement différentes... Et bah du coup, ouais, les SCP et tout, je m'en suis pris plein la gueule. Et je m'en suis surtout pris plein la gueule parce que je disais des insultes. Alors que c'est vraiment compliqué de se brider, alors que de base, tu voulais pas du tout te brider. Alors après, je comprends, je vais pas lâcher des fils de pute et tout, je vais pas lâcher des choses comme ça dans une vidéo. Bien sûr, il y a des trucs, même moi, dans la vraie vie, je les sors pas parce que y a des insultes, elles sont quand même un petit peu au-dessus du game. Mais juste... parler un petit peu normalement, et quand tu fais tomber un truc, au lieu de dire « Oh bah mince !» Enfin, dire « Oh bah putain, pourquoi ?» Tu vois, enfin... Je suis désolée, mais t'as une ultime marmelade sur la musique, mais le cœur y est pour fêter ton retour et ton renouveau. Je te souhaite d'aller jusqu'au bout de tes projets, n'oublie... J'ai pas la suite, j'ai qu'une ligne. Faut que je redéle l'autre appli, j'ai qu'une ligne. Bah yes. Bah n'oublie pas qui tu es, je suis sûre que t'avais dit ça. On va dire, merci beaucoup Meta, merci beaucoup à toi. Désolée encore pour les paliers. Mais en vrai le reste ça rend bien, c'est beau, franchement c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, j'aime bien les overlays comment ça rend, j'aime bien le fait que vous voyez. Parce que moi par exemple quand je regarde un live, je le regarde toujours soit en plein écran soit sur la télé. Bon là j'ai pas de télé, mais du coup en plein écran par exemple sur l'iPad. Et c'est sympa de pouvoir voir le chat du coup sans avoir un petit écran. Je sais qu'il y en a qui me regardent forcément sur leur télé, il doit y en avoir au moins. Du coup, n'oublie pas que le pouvoir de la marmelade coule dans tes veines. Merci Meta, merci beaucoup. Du coup voilà, du coup ça a été très frustrant pour moi parce que les enfants, ce n'est pas de leur faute. Forcément, c'est pas de leur faute, ils sont jeunes. Et j'admets avoir fait, et je fais toujours du contenu pour considérer comme pour les plus jeunes. Typiquement Gacha Life, je savais pas, mais c'est vrai que c'est pour les très jeunes de base. C'est les très jeunes personnes qui font des trucs sur Gacha Life. Moi j'ai vu l'opportunité, j'ai vu que les personnes étaient trop mignons, j'ai vu que je pouvais faire des histoires, des animations de dingue et tout. Moi je me suis lancée, j'étais là, c'est ouf! Je n'avais pas compris que c'était pour les plus jeunes. Surtout que la plupart des histoires Gacha Life, c'est méga glauque. C'est ultra glauque, il y a des gens qui se suicident et tout, il y a des gens qui sont vraiment ultra mal dans leur vie. Et du coup, je me disais, bah, c'est forcément des gens de 20 ans qui font ça. Mais non. Non. Et du coup, forcément, donc j'ai attiré une communauté plus jeune. Et du coup, je me sentais responsable. Sauf qu'au bout d'un moment, j'aime bien faire ce que j'aime bien faire quand même. J'aime bien faire ce que j'aime bien faire. Vous avez compris. Donc voilà, sur YouTube, ce sera... Je vais pas me mettre à lâcher des insultes de ouf ou quoi que ce soit, parce que bon, j'ai quand même une certaine responsabilité vis-à-vis des gens. Mais sur Twitch, ce sera différent. Voilà. Let's for Twitch, merci beaucoup encore à toi. Merci beaucoup. J'adore ma vie, je suis trop contente d'offrir. Attention, il se peut qu'un autre sub tombe, donc préparez-vous. Et du coup, tu seras animal à... J'ai pas la suite, faut pas me faire des longues phrases juste aujourd'hui, je retéléchargerai le truc après, mais là pour l'instant j'ai qu'une ligne. Du coup, si la question c'était je serais animal, du coup oui, j'y serai, ça sera trop bien. 7 décembre, faut retenir la date, c'est une semaine avant mon anniversaire, c'est dans un mois, ça va être trop bien, ça va être trop trop bien. Jaida, merci beaucoup à toi pour le Prime, merci, c'est incroyable. C'est incroyable, tellement de gens qui se re-subent. Il y a tellement de gens qui se subent aussi. C'est beau. Du coup, donc j'ai pas à la fin de la question par contre. Du coup, oh, il y a même Bastien qui se re-sub. Ouais, incroyable.
3 mois en tout. Incroyable. Mais quel homme ! Il est de retour. C'est beau ! C'est beau, il y a tellement de... Ah, là, trop... Et en vrai, j'aime bien cette alerte-là, parce que du coup, elle est moins... Bon, elle est pile sur mes yeux. Mais le son est vraiment pas mal, parce qu'avant, en fait, à chaque fois qu'il y avait la moindre alerte, je devais arrêter de parler. Alors que là, par exemple... En plus, c'est des petits sons de Zelda et tout, c'est sympathique ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Storm qui dit « Coucou la nouvelle Marie !» C'est moi-même. Exact. Comment ça va depuis tout ce temps ? En vrai, ça va. À part la maladie qui est en train de me... Je décède. Je devrais me mettre de l'eau de mer dans le nez, là, de nouveau. Là. D'ailleurs, c'est de l'eau de mer de Saint-Malo. Incroyable. Mais chaque fois que j'en mets, c'est terrible. J'en fous, il y en a partout et tout. J'arrive plus à respirer. J'arrive pas à me mettre des gouttes dans le nez. Je l'ai jamais fait. Et du coup, j'attends la fin du live parce que là, c'est terrible. Et merci beaucoup à Christophe. Merci beaucoup à toi pour les cheers. Beautiful. Et Unicorn aussi qui est là depuis un an. Coucou. Comment va ? Et du coup, voilà. Donc, c'est la nouvelle Marie. Exactement. C'est la nouvelle Marie, et sur Twitch, je serai beaucoup moins censurée. Je serai pas non plus en mode... Parce qu'il y a des gens, en général, qui arrivent sur le live et qui se disent « Attends, c'est pour les gens matures, donc ça veut dire qu'elle va forcément être fort peu vêtue. » Non ! Non, non, non ! C'est pas du tout dans ce sens-là, et ça ne sera jamais dans ce sens-là. Je veux bien changer, évoluer, mais il y a des limites partout. La limite, elle est là. Par contre, je serai un peu moins filtrée. Comme avant, en fait. Comme j'étais avant. Et par contre, sur YouTube, je ferai un petit peu plus attention, mais voilà. En fait, tant pis, je me ferai engueuler par des parents, et ben, je crierai sur les parents, je dirai « Dis donc, vous me parlez pas comme ça !» Je suis forte, indépendante, et j'ai 25 ans. Du coup, voilà, moi aussi, je suis une adulte, on dirait pas du tout. Je me fais encore... On me demande encore mon passeport quand j'achète de l'alcool, mais à part ça... Du coup, maintenant, quand j'achète de l'alcool... C'est terrible, parce qu'on me demande vraiment mon passeport. Du coup, à chaque fois, j'y vais, genre, je fais ça... Tu vas regarder, j'aimerais acheter de l'alcool. Est-ce que je peux, est-ce que, regardez, j'ai des tatouages, j'ai 18 ans. Et je me fais quand même, agresser. Je me fais pas du tout agresser, mais les gens, ils ne veulent pas, ils pensent vraiment que j'ai 17 ans. Mais non, faut pas que je me fasse marcher dessus par des parents. Et ça a été le cas pendant assez longtemps. Parce que les parents, il y en a certains aussi qui n'ont pas le respect, qui ne se rendent pas compte. Mais pour eux, leur enfant est béni des dieux. Et leur enfant ne devrait pas tomber sur des choses comme ça. Et du coup, c'est forcément de notre faute. Alors que non ! Enfin, peut-être un peu, mais je devrais pas avoir la responsabilité. Je ne pense pas. Amy Smile, merci beaucoup à toi pour les 23 mois. Ma voix est en train de dérailler de plus en plus. Si, la vérité, si demain j'ai une extinction de voix, c'est que le monde ne veut pas que je restream. Et c'est pas grave, je streamerai sans voix, c'est pas grave. Il y a Zanor aussi qui est là depuis 14 mois ! Merci beaucoup, c'est pour ça que j'ai des extinctions de voix aussi, c'est parce que je me mets à parler super aiguë. En fait, à chaque fois que je lis une alerte, je me mets à parler en mode très féminin. Parce que de base, j'ai une voix très, très grave. Mais du coup, c'est vrai que chaque alerte, du coup, genre... Mais du coup, ça rend trop mal, en fait, si je fais... Hélas for Twitch, gift un sub à Napster. Non, j'arrive pas, et du coup, dès que j'ose la voix, je suis obligée d'être aiguë. Donc bref, on s'en fout. Merci beaucoup à Liten Gokan pour les 12 mois. Merci beaucoup aussi à Naruto pour le... Ah non, 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 c'est un host, mais c'est pas grave. Merci pour les hosts. Il y a beaucoup de gens qui me hostent. Vous êtes mignons, mais ça ne sert à rien. Quoique non, non, en soi, ça sert. En soi, ça sert dans le sens où maintenant, c'est bon, je veux être découverte du grand public. Parce que avant... Attends, je dis merci et après, je retiens ce que je disais. Merci à Zanzara pour les 15 mois, merci beaucoup, et merci à Jean Mungan pour le sub, merci beaucoup. Avant, je voulais pas que les gens me hostent, et je voulais pas que les gens fassent quoi que ce soit sur Twitch, parce que j'avais trop peur, parce que, en fait, sur Twitch, il y a un système de recherche des streams français, et quand vous êtes quelqu'un avec plus de viewers que la normale, vous êtes forcément vers le haut de ces recherches. Du coup, si les gens, ils s'ennuient, ils cherchent un nouveau streamer, ils sont là, bon, je fais pas grand-chose ce soir, c'est qui celle-là ? C'était ces gens-là qui me faisaient peur, quelqu'un de nouveau qui pouvait débarquer, ne pas m'aimer et du coup me maudire jusqu'à la fin de mes jours. Ça me faisait grave peur. J'avais trop peur des critiques des gens parce que voilà, il y a forcément une nouvelle personne qui arrive de temps en temps et genre là, tu vois, la personne elle arrive, elle se dit bon, allez, je vais rester une minute. Est-ce qu'en une minute celle-là elle a l'air intéressante ou est-ce que c'est une pimbèche? Il y en a sûrement pas mal qui doivent penser que je suis une pimpèche, et c'est normal, mais c'est pas grave. Il faut que j'arrive maintenant à vivre au-dessus du fait que je suis considérée potentiellement comme une pimpèche par pas mal, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui arrivent et qui se disent « moi, sympa, rigolote, marrant, pourquoi pas, je vais suivre, on va voir. » Et du coup, c'est bien. Du coup, les hosts, pourquoi pas. Intéressant. Qu'est-ce que je disais ?
Non, c'était ça que je devais retenir. C'était ça que je devais retenir. Tu es actuellement top 17 français. Bah yes. Super. C'est beaucoup. Technique d'acteur pour la voix, si tu es à fond, plante une paille dans une bouteille d'eau et fais brrr dans la paille pendant 5 minutes, t'auras de nouveau ta voix après. Et bah je note. Je ne ferai jamais ça en stream parce que... les gens vont vraiment me prendre pour une pomme, hein, s'ils arrivent et que je suis en train de faire ça en stream, mais je note pour une extinction de voix du coup. Je sais pas du tout par quel phénomène physique ça marcherait du coup, mais c'est incroyable. En vrai, pourquoi pas. Du coup, voilà, merci beaucoup à l'Unicorn. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te revoir, ça me fait très plaisir aussi, ça me fait très plaisir. Et voilà, j'ai quand même, pendant ces 3 mois où j'étais pas sur YouTube et j'étais pas sur Internet, j'ai quand même... Oh, incroyable, Biboule, ce badge fondateur, c'est beau! C'est beau, je sais pas qui ont les gens, qui ont les badges fondateurs, parce qu'il y en a 25 normalement. Je sais qu'il y a Elliot qui en a un. Je sais qu'il y a du coup Biboule qui en a un, mais je sais plus les autres. Je ne sais plus. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oh, mais j'ai vraiment... Je vous jure, j'ai vraiment une mémoire. Attends, je parlais de quoi? Je parlais de quoi? Je parlais de des gens qui débarquent sur mon stream. Ouais, non, je sais plus. Je sais plus de quoi je parlais. Bah très bien. Du coup, c'est pas grave. J'avais parlé des os, c'est ça. Moi j'ai pas le badge fondateur, mais je resterai pour toujours la fille qui a tout gâché en s'abonnant. Je me souviens, mais t'as pas le badge fondateur, mais tu dois pas être loin, à mon avis, tu dois vraiment pas être loin. Va falloir une émote de riz. De ouf. Non mais c'est incroyable, hein. Je me rappelle de rien. Du coup... Ouais, j'avais peur des nouveaux que je... C'était ça en fait que je disais, mais j'avais pas dit un autre truc après. Ouais, mais c'est à peu près ça. Hein. En gros, c'est à peu près ça. Merci Guélésion d'avoir gift un sub à Lolita. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait d'alerte. Ah, quand on gift un sub, ça ne fait pas d'alerte. C'est qu'à partir de 2. Si on en gift 2, 3, 4, là ça fait la danse mexicaine. Mais un sub, j'ai l'impression que ça fait pas d'alerte. C'est pour ça qu'il y en a qui marchent pas. Mais oui, le badge fondateur, du coup, ça m'a tout gâché. Ça m'a tout gâché, ça y est. Je bug. Mais qu'est-ce que c'est que le badge fondateur? En gros, c'est un nouveau truc qu'ils ont mis sur Twitch. C'est les 25 premiers abonnés d'une chaîne Twitch qui se sont abonnés quand la chaîne est passée partenaire ou affiliée. Mais affiliée, je crois que c'est 10. Mais moi, dans mon cas, c'est 25. Les 25 tout premiers subs, maintenant, devant leur pseudo, ils ont un 1. Un first. Et du coup, moi, comme c'était il y a 4 ans que j'ai eu mon partenariat, eh ben c'est des gens qui étaient là il y a 4 ans. Du coup, je sais pas qui sont les 25, mais il y en a quand même qui sont encore là au bout de 4 ans, donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est, en vrai, je trouve ça sympa comme principe. Mais il y a des gens qui du coup streament depuis vraiment méga longtemps et qui du coup les anciens sont partis. Et bah voilà, ma mère m'appelle. Non, je sais. Là, quand je vous ai dit tout à l'heure que je réponds jamais rien qu'aux messages de ma famille, bah, ma famille m'appelle parce que je réponds pas aux messages. C'est pour ça que j'ai pas le temps de répondre aux messages des abonnés. C'est parce que même ma mère, je ne lui réponds pas. Mais ouais, ça remonte, hein, ça fait 4 ans. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube... Attends, je l'ai créé en quelle année? Je crois que je l'ai créé en 2013. Et j'ai aussi créé ma chaîne Twitch, du coup, en 2014 ou 2013 aussi, un truc comme ça. Et je suis passée partenaire en 2015. My goodness. Est-ce que tu as 5 minutes? Non, j'ai 5 minutes après. Ah bah quoi, attends, il est déjà 18h30? What the fuck? En plus, il y a des points de chaîne maintenant sur Twitch. Oui, j'ai vu, mais moi, j'en ai pas. Enfin, je pense qu'il débloque ça... au fur et à mesure pour les partenaires, ou alors il faut que j'active un truc et que j'ai pas activé. C'est possible. Paradox fan du Japon, incroyable, merci beaucoup pour le set. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ouais, je sais pas comment on active ça, mais c'est vrai que c'est pas mal. Maintenant, il y a un système de points et tu gagnes des points. Et avec les points, tu peux faire des choses, genre avoir des messages en illuminé et tout, débloquer des émotes. Est-ce que t'as 5 minutes? Non. En vrai, je les ai à 19h. À mon avis, on arrête vers 19h. Mais je savais que j'allais parler pendant 1000 ans. Je le savais. Parce que de base, je voulais faire une partie blabla et une partie où on commence Luigi's Mansion. Mais Luigi's Mansion, du coup, on le fera demain parce que. Parce que j'ai trop parlé. J'aime bien parler. J'aime bien ce genre de live aussi où juste. Je peux parler avec des gens. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pour ça que j'avais fait les vlogs lundi, de base sur ma chaîne secondaire. Tous les lundis, je racontais ma vie, parce que du coup, je faisais plus de live, et je m'emmerdais, et dans le sens où je parlais à personne, je pouvais pas raconter ma vie, parce que je raconte ma vie en live. Du coup, je faisais ça tous les lundis, je faisais une vidéo où je racontais ce qui s'était passé la semaine. Mais là, je vais pouvoir faire ça tous les jours! Incroyable. Si depuis tout à l'heure j'ai des petits points. Ah bon? Ah bon? Non, je pense que ça c'est les points que j'avais set up avec Streamlabs. C'est pas les points officiels de Twitch. Les points officiels de Twitch, ils sont en bas à gauche du chat. C'est des bulles, normalement par défaut. Je pense. Et moi je ne les ai pas. Il me semble qu'ils les débloquent progressivement pour les gens. Et moi je ne les ai pas. Je les ai pas encore débloqués, mais c'est vrai que c'est pas mal comme concept. De toute façon, ça va se débloquer au fur et à mesure. Incroyable. Meta! Merci beaucoup pour le sub. Je crois que toi, tu seras un fondateur, du coup. T'étais un des premiers, toi, il me semble. Merci beaucoup, du coup, de t'être sub. C'est beau. Merci. Mes anciens. Oui, il l'est! Incroyable. J'ai des gens encore anciens qui sont là 4 ans plus tard. C'est beau. C'est ça, on a encore les points et les sushis, mais pas les nouveaux. Ok, c'est ça, parce que j'avais setup. J'étais entreprenante avant, je me suis dit, je vais setup tout un système de points et tout, et les gens qui auront le plus de points par mois, je leur enverrai des choses et machin et tout. Voilà, j'aime bien, en vrai, j'aime bien ce système d'interaction avec les gens, mais je surestime toujours, je sous-estime le boulot que ça fait en fait, même si vous allez me dire, non mais meuf, on parle d'écrire des cartes postales, détends-toi. Mais en vrai, quand t'as... Genre, je l'avais fait l'année dernière, j'avais fait ça en décembre. Je voulais écrire une carte postale à chaque sub. J'ai écrit 750 cartes postales. Du coup, à ce stade, je pense que ça peut être considéré comme du boulot. Du coup, je sous-estime un peu le délire. Et les points, en fait, je voulais faire plein de trucs avec les points et tout. Et puis au final, comme je streamais pas assez, c'était pas rentabilisé. Mais avec les points de Twitch, on va pouvoir faire des choses. Oubliez ce que je viens de dire à propos des points Streamlabs, ça ne compte plus, ça n'existe plus, ça ne sert à rien. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Va y avoir des points de Twitch après. Merci Junebox pour le resub. J'attendais de finir ce que j'étais en train de dire, parce que sinon, j'allais oublier. Merci beaucoup pour les 13 mois. Re-bienvenue. Mais oui, au tout début, en 2015, quand j'ai eu... Je suis désolée, je parle extrêmement du nez, mais je suis en train de mourir. Je m'excuse de mourir, hein, mais j'aime pas, moi, quand les gens, ils parlent en étant ultra malades. Même si c'est pas de leur faute, ça n'est pas la mienne, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand j'étais... Quand j'ai commencé à passer sub... à passer partenaire, et que j'ai pu avoir des subs, je disais, ça va être trop bien, moi, j'adore écrire des cartes postales. Je vais vous montrer, d'ailleurs. C'est vrai que c'est juste là. J'adore écrire des cartes et envoyer des cartes postales aux gens. Parce que j'adore le principe d'avoir d'attendre le facteur. Genre d'attendre un truc, d'attendre le facteur et d'être trop content quand le facteur il arrive parce que du coup tu ressens un truc. Enfin j'aime bien ce feeling d'attendre quelque chose par la poste. Du coup je me suis mis à écrire des cartes postales aux gens. Et mais en fait ça fait genre là, j'ai celle de Patreon parce que du coup maintenant je fais ça sur Patreon. Hop! J'ai continué à faire ça parce que je faisais ça en 2015. Ah! C'est lourd! Je faisais ça en 2015 pour mes subs qui étaient là depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Sauf que c'était le bordel à chaque fois. J'avais fait un Google Doc qui devait actualiser machin et tout. Et au final, comme j'étais quelqu'un qui sortait jamais, bah, j'allais jamais poster les lettres. Et au final, il y en a qui en ont eu des cartes comme ça. Mais il n'y en a pas des masses qui en ont eu des cartes comme ça. Celle-ci, c'est celle du Patreon. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu quand même. Ouais, vite fait. Si je fais ça, vous les voyez mieux. C'est parce que je mets trop de luminosité. J'ai trop de lumière. Oui, Wilson, tu t'emmerdes. Bah oui, on se promène après. Bah oui. Dans 20 minutes. 20 minutes, on y va. Du coup, oui. Ces cartes-là, c'est des cartes postales. J'écris derrière et tout. J'écris derrière et je signe.
Et pour l'instant, je fais ça pour Patreon. Pas maintenant, par contre. Je le sais en pause, parce que du coup, c'est celle de septembre que j'ai pas encore envoyée. Et là, c'est pas parce que je suis feignante, mais c'est parce que j'ai eu plein de problèmes et j'ai dû déménager. Du coup, celle-là, je vais les envoyer ce mois-ci. Et à partir du 1er décembre, du coup, je vais pouvoir reprendre le Patreon. Et pour le coup, je vais pouvoir envoyer une carte postale tous les mois. Et j'aime bien faire ça. J'adore l'interaction avec les gens. Mais du coup, à chaque fois, je me dis, ouais, ça va passer, 500 cartes à écrire, qu'est-ce que c'est? Bah c'est trop. C'est trop. Mais du coup, j'essaierai de refaire un truc pour le mois de décembre et tout. Mais cette fois-ci, plus en mode tirage au sort, giveaway, plutôt que tout le monde. Sinon, je vais pas m'en sortir. En vrai, j'ai beaucoup parlé. Non, les poissons sont pas là. Les poissons sont pas là. Je vois la question 800 milliards de milliards de fois. Ils sont pas morts, je les ai pas balancés, ne vous inquiétez pas. J'aime trop les animaux pour faire du mal à mes animaux. C'est juste que quand j'ai pris mes poissons, pour moi, j'allais rester à l'endroit où j'étais pendant pas mal de temps. Et au final, ce n'est pas arrivé. Donc non, là j'habite dans un petit studio, et comme je vous ai dit, j'ai fait le déménagement avec un partenaire. J'ai à peine pu mettre mon bureau dedans. J'ai dû changer de chaise et tout. Donc les aquariums, surtout l'aquarium de 125 litres, ne passaient pas. Ce n'était pas possible. Donc pour l'instant, les poissons sont toujours là où j'étais avant. Mais ils vont bien, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je peux pas les ramener là, parce que j'ai même pas la place. J'ai juste la place pour mettre mon bureau et j'ai même pas de lit. J'ai même pas de lit. J'ai un canapé qui se déplie et qui fait canapé lit. Enfin, clic-clac, quoi. Mais je vis dans un studio. Je n'ai plus de lit, je n'ai plus de chambre. Donc je n'ai plus de place pour mettre les aquariums. Mais vous inquiétez pas, c'est pas en mode je les abandonne ou quoi que ce soit. C'est que physiquement, je savais pas que j'allais me retrouver ici. Donc voilà. Je les récupérerai, mais pas tout de suite. Du coup... Ça fait quoi pendant 3 mois? Regarde ma vidéo de retour, j'ai tout expliqué. Bah alors. Les gens ne regardent pas la vidéo de retour. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Greg, merci beaucoup à toi pour le sub. Merci beaucoup. Il y a des gens genre, qui ont commenté ma dernière vidéo, du coup la vidéo, pas celle de mon retour, celle que j'ai fait après. Il y en a plein qui étaient là, mais waouh, mais t'as repris YouTube, tu reviens comme ça et tout. Bah non. Je reviens pas comme ça, je suis revenue celle d'avant, t'avais pas... Les gens ne regardent pas. C'est pas grave. Oh, ça a changé de playlist. Je viens juste de voir, parce que je viens juste d'entendre... Ah d'accord, c'est Animal Crossing avec ambiance orage. Très bien, donc c'est ça que j'ai entendu. Du coup voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce que je commençais à voir ça beaucoup trop souvent dans le chat. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pu prendre que mon chien ici pour l'instant, parce que je n'ai pas de place dans cet appartement. Il est beaucoup, beaucoup trop petit. Mais je vais pas rester ici très longtemps, en théorie. Et après, tout pourra revenir un petit peu dans l'ordre et tout. Mais pour l'instant, pareil, je pourrais pas reprendre de nouveaux animaux ou quoi que ce soit et tout. C'est pas possible, ça fait trop. Ça fait trop pour moi. Penses-tu également refaire les cartes de Noël comme l'an dernier? Normalement, oui. Donc je vais les faire sur Patreon, c'est sûr et certain. Et j'aimerais bien incorporer un petit truc sur Twitch, pas pour que tous les subs puissent en avoir, mais que je puisse en envoyer à peut-être la moitié, tu vois, qu'il y ait une espèce de roue, et que dès que tu te subs, et si ça tombe sur oui, je t'en envoie, non, je t'en envoie pas. Ce serait un peu... Je veux pas vers ça dans le sens où il y a des gens qui seraient deg, et du coup je me sentirais trop mal. Mais il faut que je trouve un système, parce que l'année dernière j'en ai écrit 750 et c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. T'es vraiment dans des conditions de merde. En vrai, pas tant que ça, c'est pas grave. Enfin, je vais pas me plaindre parce que je suis dans un petit appartement. C'est pas grave dans l'absolu. C'est juste que c'est pas pratique. Oui, certes, c'est pas pratique, mais il y a des gens qui ont même pas d'appartement. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais pas m'en plaindre. Et moi, c'est quoi mon niveau d'ancienneté, dit Proud Rider? En vrai, j'ai pas de quoi voir les niveaux d'ancienneté. Je peux juste savoir qui sont, du coup, les 25 premiers. Et du coup, avec le nombre de mois de sub, bien évidemment. Mais sinon, je ne peux pas voir si tu n'es pas dans les 25 premiers. Les 25 premiers, bon, ils commencent à dater, on va dire. Salut Bion, merci beaucoup. C'est très gentil. Du coup, voilà, non, il n'y a pas à me plaindre. Je suis pas en mode, oh, mon appartement est petit, oh là là, plaignez-moi. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours dit, j'ai juste besoin d'un endroit où mettre mon bureau et un endroit où dormir. Là, c'est ce que j'ai, du coup, j'ai de quoi ranger mes affaires, de quoi dormir et de quoi streamer, de quoi faire des vidéos.
C'est pas grave, ça me permettra de sortir un petit peu plus, et puis voilà, du coup je vais faire plus d'événements, plus de choses, ça va être très bien. Et puis c'est pas définitif, de toute façon, maintenant j'arrive beaucoup plus à voir le positif dans les trucs, et faut pas non plus désespérer, voilà. Merci beaucoup Kat. Merci beaucoup, c'est incroyable, il faut que je modifie ça. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous et d'entendre cette motivation retrouvée, oui, exactement. J'espère que les choses se mettront bien en place pour toi. J'espère aussi. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, dans le sens où bah, maintenant, j'ai vraiment plein de temps libre. J'ai de la chance quand même d'avoir ma sœur et mon frère qui habitent juste à côté. D'ailleurs, après ça, je fonce chez ma sœur avec le chien-chien pour aller faire une soirée avec mon frère et ma sœur, parce que c'était l'anniversaire de mon grand frère le 3 novembre. Voilà. Il commence à être encore plus grand. Et du coup, on va faire ça. Ça, c'est génial d'habiter à 5 minutes. Je trouve ça incroyable. J'ai jamais habité à 5 minutes de ma famille parce que du coup je fais que de déménager, du coup là c'est trop bien. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, voilà, à part ça, à part mon frère et ma soeur qui sont à côté, j'ai énormément de temps libre. J'ai beaucoup beaucoup de temps libre, donc je vais pouvoir faire plein de choses. Et je veux me focus principalement sur les streams du coup, et je trouve ça trop bien. Je commence aussi à passer le permis. Je sais que ça commence à devenir un running gag pour moi parce que j'ai 25 ans, mais j'ai passé mon code pendant ces 3 mois. J'ai réussi à passer le code de la route. Miracle, c'était le plus dur et le plus chiant pour moi parce que c'est... t'apprends... En fait, t'apprends pas le code de la route, tu apprends à répondre comme le gouvernement veut que tu répondes. Tu apprends à déjouer les questions et les malices du test, alors que le code de la route, tu le connais. Du coup, c'était très, très chiant à apprendre, mais j'ai passé le code de la route, donc là, il me reste le permis. Pour moi, c'est le moins chiant, parce que du coup, c'est trop drôle de conduire, c'est incroyable. Mais passer le permis, je pense que ce sera un petit peu dur aussi. Mais voilà, faut que je fasse ça aussi. Mais je peux faire plein de choses, j'ai plein de temps. J'ai plein de temps. Du coup, mes écouteurs me disent qu'ils n'ont plus beaucoup de batterie. C'est vrai que ça, donc ils tiennent à peu près 2h30. Ah, mais il reste 10 minutes de toute façon. Je note, de toute façon j'ai mon casque au pire, mais c'est vrai que là en fait j'avais essayé de faire un setup avec mes écouteurs pour le PC et le casque pour la Switch, pour pouvoir live avec la Switch. Mais au final j'ai pas fait, c'était trop compliqué. Du coup voilà. Quand vas-tu faire des lives? Alors, en dessous du live, j'imagine que tu es sur téléphone, mais... Si tu es sur PC, en dessous du live, il y a un carré, un truc avec marqué du coup les prochains streams. Donc normalement, ce sera tous les jours, sauf, pour l'instant j'ai mis sauf le dimanche et le lundi, susceptible de changer, si je fais rien il y aura des streams le dimanche et le lundi, si je fais un truc samedi soir du coup ce sera reporté et tout, mais normalement 4 ou 5 jours par semaine à partir de 17h, pas d'heure de fin, mais pas de stream long, c'est-à-dire que à mon avis ce sera des lives qui dureront entre 2 et 3 heures, rarement plus de 3 heures, parce que là au bout de 2h30 j'ai déjà plus de voix, j'en peux déjà plus, mais voilà, en fait je préfère faire plein de lives réguliers et courts que un long live de temps en temps, j'arrive plus à faire des lives de 6-7 heures, donc je vais faire comme ça, donc voilà, à partir de 17h, si à 17h vous êtes dans le coin, regardez ma chaîne Twitch si je suis en live, je serai normalement la plupart du temps en live, et du coup jusque 19-20 heures, normalement. Tu n'as plus ton permis, j'ai jamais eu mon permis. J'ai jamais eu de permis. Pourquoi est-ce que tu pensais que j'avais un permis? Parce que j'ai 25 ans? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne excuse. Mais non, j'ai jamais eu de permis. Ouais, j'ai déjà eu le code, c'est déjà pas mal. 3 heures, c'est déjà pas mal en vrai comme temps de live. Pour moi, 1 heure, c'est trop court, parce que je parle beaucoup au début d'un live. Et il faut quand même au bout d'un moment, enfin, liver, faire des jeux et tout, que ça ait un sens, pas juste parler pour parler, mais 1 heure c'est un peu trop court, mais 3 heures ça commence à être un petit peu long, mais normalement les streams ça dure 4-5 heures, mais au final, bon si je fais 2 heures c'est pas grave, voilà. Du coup voilà, il y a les horaires c'est 17 heures,
Par contre, il n'y a pas les jeux. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais jamais ce que je ferai. On verra. Peut-être qu'au bout d'un moment, un planning s'installera. Mais... Yes! Mes écouteurs n'ont plus de batterie. est-ce que vous entendez encore quelque chose? Parce que du coup... Est-ce que le son sort de mon écran du coup? Non. Bah yes. Dans ta vidéo Gacha des 500 000 abonnés, tu as demandé à ta mère où est-ce que tu t'es égaré? Ah bah oui, parce que c'était une histoire! Ma vidéo des 500 000 abonnés, je reviens dans le passé, what the fuck? non, plus de son? Oui. Le son est ok. Non. Oui, je t'entends toujours. Non, maintenant oui. Non, on re-entend. Bah yes. Oui. Oh, elle est là. Ok. Ok. Ok, ok. C'est parce que j'ai mis les écouteurs dans le boîtier, je pense. Fais voir. Non, bah non. je sais pas pourquoi, mais vous réentendez. Bon bah tant mieux, moi j'entends plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La fourmi rouge, merci beaucoup à toi pour les 14 mois. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Non, il n'y a plus la musique. Non, on entend, le son n'a pas changé. Hein? Mettez-vous d'accord! Il s'agit de musique! Je pense que là, c'est ceux qui utilisent les écouteurs et ceux qui utilisent... Enfin, il y en a qui entendaient peut-être pas de musique depuis le début. D'ailleurs, c'est cool la musique Animal Crossing. Non, c'est bon, il y a quelqu'un qui entend. Super. Du coup, avec ça, je ne sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Gaster, merci beaucoup. On réentend plus. Gaster a pris un abonnement niveau 1. Bah yes, du coup, on réentend plus. C'est un stream professionnel, hein. Toujours. Toujours un stream professionnel. De toute façon, vous m'entendez, moi, c'est sûr, parce que ça n'a aucun rapport avec le casque. Mais il n'y a plus la musique. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, je ne sais pas. Ouvrir les paramètres de son. Normalement, choisir votre périphérique de sortie. Ouais. Et si je change le périphérique de sortie, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que je peux changer... Là! Là, vous entendez un truc, là. Là, vous entendez normalement un truc. C'est compliqué. Ah, normalement, vous avez entendu la musique mexicaine. Normalement. Je ne suis pas sûre. Merci beaucoup, en tout cas, à Gaster pour le sub. Merci beaucoup à Linaya. Merci beaucoup, qui dit très heureuse de te revoir. Que du bonheur sur toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et aussi à Gaster, qui a give, du coup, deux subs. À Pierre et à Dolphin. Merci beaucoup. Normalement, vous avez entendu un bout de la musique mexicaine. La música. C'est fort? Ah ouais? Mais là, du coup, c'est plus fort. Ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens. Faut que je règle mes problèmes de son. Mais c'est parce que c'est mon premier stream depuis longtemps et tout. Et puis, il y a toujours des problèmes de son. Il y a toujours des problèmes avec le son. Mais normalement, demain, ce sera réglé. Normalement. Ouais, ça s'est rebaissé tout seul, tu vois. C'est un peu possédé. Hein. Du coup, voilà. La musique mexicaine était un peu forte. Ah! C'est possible. Ça, c'est possible, par contre. Du coup, c'était plutôt pas mal comme premier stream. On va dire que c'est le premier du retour à zéro, mais c'est pas mon premier stream. Mais c'était fort sympathique, en vrai. Ça me fait plaisir de voir que vous étiez autant et que vous étiez motivés. C'est trop cool. Moi, ça me fait plaisir parce que je suis motivée et voir des gens motivés, bah, du coup, ça me motive, forcément. C'est trop cool. Du coup, ça va être... Là, c'était vraiment plus en mode annonce et tout, mais d'habitude, je parlerai pas autant. Hein, enfin, je parlerai, mais pour le jeu. Hein. Donc demain, normalement, on commence du coup Luigi's Mansion. On va voir ce que ça va donner. En sachant que j'ai pas joué au Luigi's Mansion 2. J'y ai jamais joué, c'est une licence que je ne connais pas. Même si j'adore Nintendo et j'adore les jeux Nintendo, j'ai jamais joué à Luigi's Mansion parce que quand j'étais petite, j'avais peur d'avoir peur. Du coup, j'y jouais pas. Il n'y a plus de musique, là. C'est pas grave. J'ai peur de pas trop comprendre ce qui se passe, mais normalement ça devrait aller, enfin ça reste Nintendo, ça suit les mêmes lignes. Donc on fait ça demain.
on fait ça demain, on va pas finir le jeu demain parce que le jeu dure 8 heures, mais on va faire ça sur plusieurs streams, si jamais ça se passe bien, si le jeu est bien. Je vais record pour YouTube, en sachant que je mettrai pas tout de suite les rediffs sur YouTube, je vais attendre de voir si on arrive à finir le jeu, parce que sinon les gens vont être insupportables. Parce qu'il faut toujours finir un jeu maintenant, parce que si tu commences un let's play et que tu ne le finis pas, les gens sont contrariés, ce que je peux comprendre. Parce que s'ils suivent un truc, ils sont contents d'avoir la suite et qu'ils n'ont pas la suite, c'est contrariant. Du coup, je verrai. Normal, je verrai. Ah non, c'est bon, ça marche. Le son marche. Merci beaucoup, Elchi. Je te dis à demain, n'oublie jamais que tu es une personne avec un grand cœur. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Un grand cœur, j'en sais rien, mais je suis gentille avec les gens. Voilà. Du coup, voilà. Mettez-vous des petites alertes. Normalement, il y a une cloche sur Twitch. Normalement, il y a une cloche comme sur YouTube, c'est juste qu'elle est un petit peu plus dure à trouver. Je crois qu'il faut s'abonner, enfin, faut follow la chaîne. Et après, du coup, la cloche apparaît, un truc comme ça. Mais c'est pareil, ça vous met des notifs et elle marche, c'est très bien. Du coup, on se retrouvera à cette heure-là. Et puis voilà, on va commencer à jouer à des jeux et tout. Et puis de temps en temps, il y aura peut-être des streams le soir qui popperont. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop comment ça va se passer. Et de temps en temps, il y aura peut-être aussi des streams le matin. J'aimerais bien tester ça dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, de faire un live le matin. Ça pourrait être marrant. Mais avant, je vais essayer de pas tomber encore plus malade. Du coup, je vais faire gaffe pendant 2-3 jours, parce que mon problème, c'est toujours ça, en fait. C'est que je suis trop contente de refaire un truc, du coup j'en fais des tonnes, et genre là, je vais avoir envie de streamer 800 fois par jour, sauf qu'au final, après, je me rends compte que c'est trop, et après je panique, et après je ne sais plus quoi faire. Yes! Voilà. Elle l'a pas vu, j'en suis sûre. Ah non, désolée, c'est vrai que je regarde pas tout le temps le chat. J'ai perdu l'habitude. Je regarde de temps en temps en fait, mais comme quand je parle, je regarde pas le chat parce que du coup, si je regarde le chat en même temps, je sais plus ce que je dis. Et comme je suis quelqu'un avec une mémoire très efficace, j'évite, on va dire ça. Juste, est-ce qu'on se demande si tu vas continuer un jeu, ça va? Disons que... En vrai, je sais pas, parce que le problème, c'est que si je dis oui, tu vois, à ce genre de questions, si ça va, bah en fait, tout le monde... En fait, le problème, c'est pas qu'une personne me demande de continuer un jeu. Le problème, c'est quand les gens, quand un message sur trois que je lis, c'est « Et tu continues ça ? Et tu vas faire ça ? Et Dead by Daylight ? Et Life is Strange ? Et machin ? Et truc ? Et tu continues ça ? Et tu vas jouer à ça ? Et tu... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme quand je parle d'une convention et qu'on me dit « Et tu vas à machin ? Et tu vas à telle ville ? Et quand est-ce que tu vas à machin ? Et tu vas à machin ? Et tu vas... » Je sais pas. Je sais pas, j'en parle de 1. Du coup, en fait, c'est pour ça que je réponds pas à ce genre de questions. Parce que si jamais j'ose répondre à un truc, genre est-ce que tu vas continuer tel truc, et ben là, c'est le festival. C'est le festival qui arrive. et machin. Et du coup, c'est plus le... C'est plus... Oh, je sais pas comment on dit ça. Overwhelming. Comment on dit ça en français de... Trop d'un coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pas le fait de interdiction, de demander, de machin, c'est juste que si je réponds à un, il y aura forcément de 8000 personnes qui vont me demander, parce qu'il y a des let's play que j'ai arrêtés en 2016, et les gens me demandent encore quand est-ce que c'est la suite, alors que j'ai dit non, il y aura pas de suite, je suis désolée. Genre, merci beaucoup Elysion, merci pour les deux ans, merci beaucoup, c'est très gentil. Overdose, exactement, merci Overdose. Firetext, n'importe quoi. Overdose, exactement. Et du coup, ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, c'est terrible. Je dis merci à Elysion. Et j'oublie ce que je disais avant. Dragon Rouge Bleu, merci beaucoup à toi pour le sub aussi. Oui, par exemple, oui, je m'en suis souvenue. Doki Doki Literature Club. J'étais persuadée que j'allais faire tout le jeu, ça avait l'air trop stylé et tout et tout. J'adorais le principe, j'adorais le concept. Ça a commencé à partir en couille, ça a commencé à être super violent et à avoir des screamers, la meuf elle a foncé sur moi avec sa tête tordue là. J'ai paniqué, j'ai fait oh mon dieu mais quelle horreur, mais en fait je peux pas jouer à ça, ça me fait trop peur, j'ai trop peur de ce genre de truc. Du coup j'ai arrêté, j'ai fait le sous-marin et pendant... Bah encore maintenant en fait. Des années.
Les gens demandent, et du coup, en fait, c'est pour ça que du coup, j'ose même plus faire du gaming ou quoi que ce soit. C'est compliqué. C'est compliqué. Antoine, merci beaucoup à toi d'avoir offert un sub à Cinérial. Merci beaucoup. Et merci à Marinao pour le Prime. Merci beaucoup. Welcome. Du coup, voilà, c'est pour ça que maintenant, le Let's Play... Déjà que le gaming sur YouTube, ça devient un petit peu compliqué, et c'est pour ça que je préfère le faire sur Twitch. Mais alors, en plus de ça, mais alors les Let's Play sur YouTube, mais c'est fini! C'est mort! Je ne peux plus! C'est terrible, parce qu'après, pendant des années, les gens, ils t'en veulent! Et après, bon, je peux comprendre que les gens sont un peu pas très contents que tu ne finisses pas un jeu. Mais là, pour le coup, des années, c'est un peu long, quand même. Merci Antoine, du coup, du sub aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Du coup, comment dire que c'est un peu compliqué, à gérer les gens qui sont pas très très contents parce que tu ne continues pas les let's play. Et comme j'en ai plein que j'ai déjà arrêté et qu'on me demande encore tout le temps, tous les jours si je vais les continuer. Et même quand je vois des jeux comme Dead by Daylight qui sont absolument pas des let's play, juste des jeux normaux et qu'on me dit ah, quand est-ce que... C'est pour ça que je réponds pas à ce genre de questions. Parce que répondre à une question comme ça de temps en temps, ça va, mais sinon après les gens ils veulent. Voilà. Merci beaucoup aussi à Dragon Rouge Bleu. La team de la marmelade est là depuis qu'on te suit. Depuis que je te suis. Non. Je te suis depuis que tu as 17 ans. Moi ? Ou depuis que toi tu as 17 ans, je pense. Parce que moi, quand je me suis mis à YouTube, j'avais 19 ans. Du coup, je pense que depuis que toi tu as 17 ans. Je pense. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Du coup, voilà. Sur Instagram, tu as dit vouloir changer de style de vidéo. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? J'en ai dit un petit peu, du coup, au début du live. Mais en gros, je te re-résume. C'est juste que, pour moi, maintenant, le gaming, tout ce qui est un petit peu jeux vidéo, ce sera sur Twitch et du coup, en rediffusion sur la chaîne secondaire. Mais sur la chaîne principale, en fait, maintenant, ce sera que des vidéos... Enfin, je pense. C'est pas écrit dans la pierre. Mais ce sera un petit peu que des vidéos IRL, de choses de la vie, comme j'ai pu faire, du coup, la vidéo sur les logos et tout et tout. Et il y en aura moins. Il y en aura moins parce que, du coup, surcharger de vidéos, ça ne sert à rien, dans le sens où moi, après, je ne m'en sors plus. Je ne m'en sors plus, faire une vidéo par jour, plus faire une vidéo sur la chaîne secondaire, plus faire les lives, les machins. Je n'avais plus de vie sociale, j'avais plus de vie, je ne dormais plus. Donc il y aura moins de vidéos, donc une ou deux vidéos par semaine. Et elles seront plus axées sur voilà, de l'IRL, potentiellement des voyages, potentiellement des choses que je fais, des anecdotes, des petits courts-métrages. J'aimerais bien faire des courts-métrages, ce serait vraiment quelque chose de bien. Mais tout ce qui est gaming, du coup, ce sera sur Twitch. Et du coup, en rediffusion, les live Twitch qui seront en rediffusion sur la chaîne secondaire. Le gaming en lui-même, je pense pas en refaire vraiment sur la chaîne principale. Parce que voilà, j'arrive pas à faire des vidéos trop stylées pour YouTube. Avec trop de montage, trop de trucs, trop plein de trucs partout en même temps. C'est pas trop mon univers. Moi, je suis plus posée quand je fais du gaming. Je fais vraiment j'aime bien juste poser sur un jeu. Et du coup, c'est beaucoup plus l'ambiance de Twitch, en fait, d'être posée sur un jeu. Tu vois, genre là, quelqu'un qui arrive et qui me dit de continuer, genre qui me dit juste le nom du jeu en majuscule. En mode ah, fais ce jeu. Toi non. Tu vois, ce genre de message, ça me fatigue. Ça, c'est fatigant. C'est vraiment, il n'y a même pas, il n'y a aucun tact, il n'y a même pas de « est-ce que tu peux, est-ce que tu continuer ?» Life is strange. Vous êtes fatigants. C'est ces gens-là qui sont fatigants. Du coup, c'est ce genre de message que je vois tout le temps et je me dis « mais détendez-vous !» Ça fait 6 mois que j'en ai pas fait, je viens à peine de revenir sur YouTube, c'est à peine mon premier live, j'ai même pas rejoué un jeu. Vous êtes fatigants. Pourquoi est-ce que vous êtes autant vénère? Et le pire, c'est qu'ils sont même pas vénères, c'est qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont agressifs. Je viens même pas, ça fait une semaine que je suis revenue, je fais mon premier live direct. Faut faire ça. Terrible. Merci Antoine. Merci beaucoup. C'est très gentil. Du coup, voilà. Du coup, c'est bien le chill de temps en temps. Voilà, il faut être chill. Je vais faire des lives chill sur des jeux et tout. J'ai réveillé mon chien. Je t'ai réveillée.
Voilà, juste en mode chill, je vais être sur un jeu, je vais jouer à un jeu, et on va parler sur le jeu, et puis après ce sera en rediffusion en mode tranquille. Mais je peux plus faire le format un peu trop vénère de YouTube. Et puis voilà, et puis je jouerai au jeu auquel j'ai envie de jouer. Tout simplement, voilà, le jeu auquel j'ai envie de jouer, et puis on verra bien. Et puis on verra bien quel jeu ce sera, hein, Wilson? Tu le sens le jour où on va jouer à World of Warcraft et tout le monde y va se plaindre parce qu'il comprend rien? Mais nous on adore World of Warcraft. Bah oui. Merci beaucoup Elysion. Merci beaucoup, je suis désolée, t'étais pas là au début du live, donc t'as pas vu que j'ai supprimé toutes les. J'ai supprimé par erreur en plus. J'ai supprimé par erreur toutes les tous les paliers. Sorry, j'ai supprimé les paliers parce que j'ai voulu faire la refonte graphique, mais on en refera, on en refera. Tarte au kiwi, oh my god. Tarte au kiwi, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça fait plaisir. Du coup voilà. Du coup, World of Warcraft, vous allez voir, baisse jeu, vous allez voir, ça va être trop bien. Et puis de toute façon, au pire des cas, je parlerai en même temps et ce sera incroyable. Du coup, vous allez voir, ça va être bien. On va faire plein de lives, on va être posé. Et puis voilà. En vrai, plutôt pas mal. Il y a Antoine qui offre un sub. Anitrex le poisson. Incroyable. Incroyable. Bienvenue. Bienvenue. Et bravo, Bouge Bleu, qui dit que j'ai le bonjour de Hippie qui observe mes potes. Trop cool! Des bisous à Hippie, du coup. Des bisous. Le retour de Marie la DK. En vrai, oui, bon, en soi, c'est toujours mon perso. Mais quand les vulpérins ils sortent. Je vais clairement faire que des streams là-dessus pour monter mon petit renard d'amour. Je pense pas que ce sera indiqué. Je sais pas s'ils peuvent être indiqués, mais j'en ai marre des chevaliers de la main. Enfin, j'aime bien. J'ai toujours aimé mon chevalier de la main, mais c'est pas le plus opti. Puis surtout que je joue que Frost, c'est pas le plus opti. Du coup, j'ai envie de changer un petit peu. Ça va être bien. On va changer. Il y a Indy qui est là depuis 12 mois. C'est beau. Merci beaucoup. Merci d'être là depuis un an. Il y a Zolichi qui est là depuis 3 mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Ils les avaient supprimés par erreur. Bah en fait, c'est. J'ai plus les alertes. Je l'entends pas, mais je l'entends dans ma tête. Je les ai plus. J'ai plus ni les sons ni les images. C'est possible de les remettre avec des alertes un petit peu plus stylées, mais du coup je vais en remettre progressivement. Qui représente encore les délires de la communauté et tout, parce que les paliers, ça a toujours été les paliers, mais progressivement, du coup. Et puis du coup, j'attends aussi peut-être de passer. Je vais faire déjà le stream de Animal, du coup, parce que je sais pas encore comment ça va être fait. Je pense pas que ce sera mon Streamlabs et tout, ce sera un truc beaucoup mieux organisé et tout. Mais dans le doute, si jamais je laisse des alertes, si j'avais laissé des alertes pour un stream caritatif comme ça, je sais que par exemple un don de au-dessus de 100 euros, pendant 30 secondes, le son ne s'arrête pas. Du coup, pour un stream caritatif où il va y avoir potentiellement beaucoup de dons, je ne pourrais pas parler. Donc j'attends de passer quand même Animal pour voir comment je refais après pour les alertes, doucement mais sûrement. Voilà. Antoine qui gifte 2 subs de nouveau à Snappers et Nate. Sabes? Nate Sab? Je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas. Et Devil Steven qui s'est sub. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Du coup, voilà. Du coup, j'attends déjà ça. Et puis après, on verra. Mais ce n'est pas, voilà, c'est pas dans les priorités. La priorité déjà, c'était que je reprenne les lives, que les lives soient beaux et tout. Mais enfin, les paliers, c'est vrai que c'était un truc sympathique de mon live. Mais en soi, le live en lui-même était sympathique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Du coup. Puis c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient perdus du coup avec tous les paliers. Il y avait beaucoup de choses et du coup ça pouvait un peu faire peur aux nouvelles personnes potentielles. Là au moins on repart sur de bonnes bases. Exactement. On repart sur de bonnes bases. Et j'aime bien repartir sur de bonnes bases. J'aime bien. Du coup oui, je serais bien à Hard to Play. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'en ai fait un post sur Twitter et sur Instagram.
C'est bizarre quand même qu'on me pose encore la question. Je sais qu'il y a une convention qui s'est foirée il y a genre 2 mois, un truc comme ça. Une convention. Je sais même plus le nom. Merci beaucoup, David Steven, à toi. Merci, merci à toi. Oui, mais merci beaucoup à toi. Merci. Ça fait super plaisir pour les cheers. Merci. Ouais, il y avait une convention il y a 2 mois, je sais plus le nom, mais qui ont annoncé que je venais. Et qui ont dit que je venais sur tous les réseaux sociaux, sur le site, jusqu'au jour même. Ils m'ont même pas enlevé de leur site, ils m'ont vraiment jusqu'au jour même. Alors qu'on les a harcelés, moi et Sora, du coup, on leur a dit mais enlevez-moi. Mais je viens pas. Je ne viens pas. Ils m'avaient demandé si je voulais venir. J'avais dit non. Et ils m'ont quand même mis. Et j'aurais dit mais arrêtez. Enlevez-moi de votre site. Je vais pas venir. Il y a des gens qui vont être déçus. Ils m'ont pas enlevé. Du coup, il y a des gens qui sont venus là-bas et qui m'ont pas vu. Bah yes. Et du coup, après ça, donc je pense que j'ai peut-être traumatisé quelques abonnés. Et du coup, il y a des abonnés du coup qui sont là. Bah, est-ce que là, t'es sûr, t'y vas? T'es sûr, t'es annoncé sur le site, mais t'y vas vraiment? T'es sûr? Oui, oui, j'y vais vraiment. Normalement, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Enfin, c'est vraiment une erreur de logistique énorme qui s'est passée et je leur en veux quand même pas mal. Bon, je les connais pas, bon après, c'est pas grave, l'erreur est humaine, mais ce que je leur en veux quand même de pas avoir pris en compte les messages où on leur disait de... Enlevez-nous. Enlevez-moi. Enlevez-moi, je ne viens pas, enlevez-moi. Donc c'était pas très 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 pro de leur part. Du coup, ouais, donc j'y étais pas et j'étais quand même sur leur site et je pense que ça a déçu certaines personnes et c'est vrai que c'était très très chiant ça. Et... Mais ça ne se reproduira plus, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Tu vas vraiment à quoi? Art to Play, du coup. Art to Play à Nantes, le 16-17, donc dans 2 semaines. Et je ferai sûrement d'autres conventions, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre de prévu, j'ai pas encore prévu aussi loin. Mais genre, je vais en annoncer d'autres dans les mois à venir, mais pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Stitcher, merci beaucoup à toi. J'ai hâte de voir l'Art to Play. Incroyable. Incroyable, merci beaucoup. J'aime beaucoup ton côté psychologie. Ça me fait plaisir, moi aussi, c'est un côté que j'aime bien. Fort heureusement, parce que bon, sinon je le ferai pas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci beaucoup à Cyberpunko. Bon retour et te revoir, merci beaucoup. Merci. Yes, désolé pour les gens qui peuvent pas venir. Je sais que c'est à Nantes, je sais que c'est un petit peu au milieu de nulle part. Désolé pour ceux qui habitent à Nantes, c'est pas du tout au milieu de nulle part. Je voulais pas dire ça comme ça. Je voulais dire ça dans le sens où c'est pas à Paris. C'est une ville random, j'aurais pu choisir n'importe quelle ville. Mais c'est juste que... c'est Nantes qui m'ont contacté et j'ai trouvé la... Enfin, je sais que l'organisation est vraiment très bien là-bas. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit oui. Mais je dirais oui à pas mal de conventions. Pas tout le monde, pas toutes les conventions. Je vais pas faire une convention par week-end, peut-être même pas une par mois, mais au moins, j'en ferai de temps en temps. Avant, j'en faisais zéro. Là, je vais en faire de temps en temps. Mais dès que j'en ferai, je vous annoncerai. Je vous annoncerai, je vous dirai. Il n'y a pas de souci. Eliade qui dit, je sais pas si ça a été demandé, mais tu aimes bien ton nouveau chez toi. Ça va, ça va. C'est pas le meilleur appartement que j'ai eu de ma vie. Je t'avoue, c'est un appartement qui est petit. Mais je suis près de ma sœur. Je vis dans un endroit super beau. Je vis près des montagnes, c'est beau. Mais ça me fait toujours un peu bizarre de... Enfin, c'est compliqué, je vis toute seule. Mais en soi... C'est aussi reposant et bien de vivre toute seule, mais du coup j'ai du mal un petit peu à m'habituer. Mais là, le fait de faire des lives de temps en temps et tout, et de reprendre YouTube machin, c'est trop bien parce que du coup je m'occupe de ouf. Mais c'est un appart sympa. Mais c'est pas encore l'appart dans lequel je vais être méga épanouie. Ce sera le prochain. Je suis en train de mourir. Donc... Ouais, de ouf, pas besoin de faire toutes les villes, c'est ça en fait, c'est comme les jeux, c'est sûr, c'est ça, ça le fait à chaque fois. À chaque fois que je parle d'une convention, vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours plein de gens pour dire « Et machin, et tu viens pas à machin, et telle ville, et machin, et machin, j'ai l'impression d'être une star de rock qui annonce sa tournée !» Non, c'est non, je fais pas de tournée et tout, déjà le fait que je passe dans une ville, c'est sympa, mais on va faire au fur et à mesure. Je viendrai dans des villes. Pas de problème, mais je ne suis pas une star de rock. Je ne suis pas Nirvana. Je ne vais pas faire des concerts partout dans toute la France. Je suis juste une fille, et fait des trucs sur Internet. C'est pas exceptionnel, c'est juste une fille sur Internet. De temps en temps, je vais faire des conventions. De temps en temps. Antoine Dionze qui gifte un sub à fan de Marie. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais du coup, c'est toujours ça.
C'est toujours ça quand je parle d'une convention, c'est « Et tu iras, machin !»« Et tu iras, machin !»« Et tu iras, machin !» Alors, peut-être. Mais voilà, c'est... j'irai à plus de conventions. Mais, ce n'est pas une raison de me faire une liste de toutes les villes de la France tous les jours en me demandant si je vais dans toutes ces villes-là toutes les semaines. Non. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu des messages sur Instagram, les gens ils sont fatigants. Parce que tu vois, il y a des gens qui me disent « Ah, tu viendras pas, machin » et tout. Quand j'ai mis mon annonce pour la Hard to Play du coup à Nantes, j'ai reçu des messages, bon il y en avait que deux, mais ça m'a fait rire. Des gens qui m'ont dit « Ouais, trop bien que tu viennes à Nantes, mais moi j'habite à Nantes et je serai pas là ce week-end, tu peux venir la semaine d'après ?»« S'il te plaît, faut vraiment que tu viennes la semaine d'après parce que du coup je vais te louper. » Alors, oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça, je viens pour la convention, du coup je peux pas faire des allers-retours. Donc même quand je vais, et genre il y en a un qui m'a dit, j'habite à Nantes, mais c'est où à Nantes? C'est pas trop loin j'espère. Vous voyez ce que je veux dire quand je veux dire que les gens sont jamais contents? C'est fatigant parce que du coup je suis là, mais je viens dans la ville, je vais pas faire tous les quartiers non plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh my god. Nailis Niwa, merci beaucoup à toi pour le troisième mois. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Re-bienvenue à toi. Je te jure. J'habite à Nantes, mais je peux pas venir à la convention, tu peux venir me voir chez moi. J'ai pas encore eu ça, mais... Non. Du coup, vous voyez ce que je veux dire. C'est... Il y a des gens qui sont un peu fatigants, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je passe dessus. Il faut passer dessus. Du coup, je vais vous laisser. Parce qu'en fait, à chaque fois que je regarde le chat, du coup, je rigole et j'ai envie de répondre à une autre question. Mais j'avais dit 19h. J'avais dit 19h, il est 19h15. J'ai un chien qui me regarde en me disant « Je vais me pisser dessus, s'il te plaît. » Merci. Et je vais aller chez ma sœur. Du coup, voilà, à défaut d'aller chez mes abonnés, je vais chez ma sœur, parce que je ne peux pas aller chez mes abonnés. Du coup, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi, c'était très sympathique. Et puis voilà, donc normalement, si tout va bien, tout ira bien, on se retrouve demain 17h pour reparler un petit peu. Et puis après, on fera un petit peu de Luigi's Mansion, on va faire des jeux vidéo, ça va être super, ça va être incroyable, vous allez voir. Du coup, merci d'avoir regardé ce live. Merci à Antoine du 11 de nouveau qui gift un sub à LittleSarah03. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis merci également. On va y arriver. À Tizorios. Merci beaucoup pour le 7e mois. Merci beaucoup. Re-bienvenue. Et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Et puis YouTube, faut que je vois pour la prochaine vidéo. Ce sera pas demain, ce sera dans quelques jours. Mais voilà, je vais vous mettre la fin du live. Et puis on se retrouve bientôt. Salut !